Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Bienvenue à tous nos invités. Bonsoir. Chaque année, ils sont 200. Chaque année, ils sont 200. 200 nouveaux élus qui sont choisis pour vivre une expérience inoubliable. Cloîtrés dans une cellule de 9 mètres carrés, dans la plus complète austérité, ils sont soumis quotidiennement à de rudes épreuves, se lever avant le soleil et passer leur journée plongés dans des livres très compliqués, écrits en tout petit, parfois rédigés dans une langue aujourd'hui disparue. Les plus assidus devront même se coucher dès 20h sans avoir prononcé le moindre mot. La durée de cette aventure est illimitée. Ils n'y gagnent ni argent, ni voyage sous les tropiques et pourtant, ils ont choisi d'y participer. Le tout se déroule sous l'œil, non pas de 96 caméras, mais de l'unique regard de Dieu. Ce concept existait bien avant la télévision. Nous nous intéressons ce soir aux monastères et donc à ceux qui les habitent, une vie à l'écart du monde, évidente pour ceux qui la choisissent, incompréhensible pour ceux qui ne la choisissent pas. Alors qui sont celles et ceux qui décident de se consacrer à Dieu? Comment passer d'une vie comme tout le monde à l'isolement le plus total? Pourquoi décider de vivre sa foi coupée du reste de l'humanité? Comment faire comprendre à ses proches que l'on veut finir ses jours loin d'eux, enfermés? Autant de questions auxquelles nous allons donc essayer de répondre ce soir. Je présente Alix. Bonsoir Alix. Bonsoir. Vous avez 20 ans, vous êtes toute jeune, vous êtes la prochaine candidate, si j'ose dire, à entrer dans un monastère. Dans quel état vivez-vous ces 4 derniers mois qui vous restent avant de faire donc ce grand saut? Très sereinement, je suis très contente. Donc dans 4 mois, Inch'Allah, je rentre chez les sœurs. Inch'Allah. Inch'Allah. Je rentre chez les sœurs et je suis très contente, très contente. Tout se passe très bien. Donc vous êtes déterminée, vous êtes certaine que vous ne changerez pas. Je suis sûre de moi. Enfin, on verra bien. C'est facile de dire ça maintenant alors qu'on est chez soi, etc. Mais on verra bien une fois qu'on sera là-bas. Et comment vous les vivez au quotidien ces 4 derniers mois? Alors, comme j'ai commencé en septembre, c'est-à-dire que je suis des cours de philosophie et de théologie. Je suis souriante dans un lycée et puis le reste de mon temps, j'en profite un maximum comme toutes les jeunes de 20 ans. C'est-à-dire que je sors avec des amis, je passe des week-ends avec des amis. En même temps, je suis chef tan de guide. Je donne des cours de catéchisme en 6e et en terminale. Donc, un peu comme tout le monde, quoi. Voilà, un peu comme tout le monde. Basique. Pendant encore 4 mois, quoi. Mm-hmm. Et après, ça va être la grande coupure, donc il faut... La grande coupure, chaque chose en son temps. Enfin, oui. On ne coupe pas complètement. Néanmoins, c'est une vie qui est quand même à l'écart du monde. Mais dans le monde. Mais dans le monde quand même, ouais. À l'écart dans le monde. D'accord, pourquoi pas. On est du monde. Vous êtes du monde. Bienvenue sur Terre. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Véronique, combien d'années vous avez vécu dans un monastère, vous? 14 ans. 14. Qu'est-ce qui, dans cette vie, ne vous convenait pas? J'étais entrée pour vivre selon l'Évangile et finalement, je me suis aperçue que ce qui m'était proposé, ce n'était pas cohérent avec l'Évangile. Et qu'il y avait même de la manipulation, de l'infantilisation. Enfin, je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai fini par partir. Mais bon, il m'a fallu quand même du temps. 14 ans. Oui. Qu'est-ce que vos supérieurs appelaient vos démons? Ben, c'est à partir du moment où j'ai commencé à dire que j'avais des questions, quand même, est-ce que je n'avais pas fait une erreur, etc. D'emblée, on m'a répondu, mais ça, c'est le démon. Classique. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, moi, je ne voulais pas écouter le démon, donc j'ai persévéré. C'est ce que vous appelez aussi ces mensonges, ces manipulations? Voilà, voilà, c'est de la manipulation, ça. D'accord. Oui. Vous nous expliquerez comment, Véronique, vous êtes réhabituée à la vie sociale après votre sortie. C'est tout le contraire d'Alix qui, elle, donc, s'apprête à vivre une vie que vous avez connue à peu de choses près. Marie et Agnès sont également nos invités. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes respectivement la maman et la sœur d'une jeune femme qui a choisi la vie monastique. Ouais. Qu'avez-vous ressenti l'une et l'autre quand votre fille Dominique vous annonçait à 33 ans qu'elle allait prendre l'habit? Bon, un grand désespoir et une déception. Parce que bon, je pensais qu'elle allait faire comme moi, élever des enfants, avoir des enfants. Et j'ai été déçue de ne pas lui avoir donné envie de faire comme moi. Moi, je m'étais épanouie dans le fait de les élever toutes les 4, parce que j'ai 4 filles. Elle, c'est l'aînée. Et je pensais qu'elle allait faire comme moi. Et le fait qu'elle me dise qu'elle allait se renfermer, surtout au moment où elle m'en a parlé, c'était des bénédictines, c'était des sœurs cloîtrées au moment où elle en a parlé. Et ça m'a fait très peur. Très, très peur. Elle avait plus de 30 ans, donc... La première fois qu'elle m'a parlé, elle avait 21 ans. Ah oui, la première fois, oui. Mais elle a attendu 12 ans, elle a attendu 12 ans. Ouais. Elle est infirmière, elle a travaillé pendant 10 ans, elle était même bien notée, ça lui plaisait énormément. Et puis, bon, un jour, elle est revenue dans ce monastère qu'elle avait connu à 21 ans. Et qu'elle avait connu sous forme de... Elles étaient venues en vacances. Non, non, elles étaient venues en vacances et une nuit, elles avaient demandé l'hospitalité au monastère. Et au bout de 10 ans, elle m'a écrit, puisqu'à ce moment-là, elle habitait Marseille, moi j'habitais la région parisienne. Elle m'a dit, je sais que je vais te faire beaucoup de peine, mais quoi qu'il en soit, je serai bénédictine.
Quel regard vous portez sur la vie de votre sœur, de votre grande sœur ? Moi, à l'inverse de maman, quand on a appris que ma sœur allait rentrer dans les ordres, j'étais très très fière, oui, et très heureuse. Même pour elle ? Surtout pour elle. Et jusqu'à présent... Vous comprenez la déception de votre maman qui n'a pas vu cette sœur aînée lui donner des petits-enfants, par exemple ? Non, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ? Je ne comprends pas parce que, d'abord, ma sœur n'est pas fille unique, donc je veux dire, c'est vrai que... voilà. Elle avait aussi elle a trois autres filles derrière, d'autres petits-enfants. Vous avez quatre filles en tout ? Oui. J'ai quatre filles et trois petits-enfants. J'avais l'impression qu'elle avait un peu exagéré. On en discutera. Je vous présente maintenant notre témoin privilégié, qui est généticien, mais qui est aussi un homme de conviction. Dans son dernier livre, Dieu, avec un point d'interrogation après ses quatre lettres publiées chez Stock, il fait le point sur ses croyances religieuses. Je vous demande de bien vouloir accueillir Albert Jacquard, qui est notre invité. Bonsoir, monsieur Jacquard. Bonsoir. Bienvenue. Vous connaissez monsieur Jacquard ? Monsieur Jacquard, qu'attendez-vous d'une émission comme celle-ci ? Une confrontation entre une attitude qui a été la mienne de scientifique et l'attitude de gens que je n'arrive pas à véritablement comprendre, qui ne reposent pas leur engagement sur une réflexion, me semble-t-il, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond qu'une réflexion. Un appel. Un engagement personnel qui semble être... irréversible et impossible à empêcher. Et du coup, je me sens très limité avec mon raisonnement scientifique par rapport à des gens qui emploient des mots énormes, le mot foi, le mot Dieu, qui sont des mots tellement lourds que je répugne à en parler, ou alors je mets un point d'interrogation aussitôt. D'accord, bien compris, monsieur Jacquard. Je présente nos invités à qui nous avons consacré un reportage. Intervenez quand vous le souhaitez, Albert. On va commencer avec vous, père Basile. Oui, vous faisiez une drôle de tête en écoutant Albert Jacquard. Qu'est-ce que... Oh non. Je peux très bien comprendre qu'un scientifique se pose ce genre de questions. Quel vous meniez-vous avant de décider d'entrer dans les ordres, vous ? C'était un peu le grand écart, parce que j'étais dans la publicité, donc dans la conception publicitaire. C'est ce qu'on appelle un créatif publicitaire. C'est ce qu'on... Voilà, tout à fait. Concepteur-rédacteur. Concepteur-rédacteur. En agence de pub. En agence de pub. Pendant combien de temps ? Pendant 2 ans. Oui. Donc, c'est... Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 27 ans. 27 ans. Donc là, vous avez vécu une vie de célibataire branché parisien dans la pub, en sortant, en consommant, en rigolant. Oui, non, tout à fait, ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Et puis, vous avez cessé cette vie, donc à l'âge de 27 ans. Est-ce que sur le coup, vos proches ont compris exactement ce qu'il y a, les tenants et les aboutissants. C'était impossible pour eux, parce qu'il y avait un tel écart entre les deux, entre ma vie passée et ce choix de vie qui s'offrait à moi, que c'était absolument impossible. Un extrait du reportage qu'on vous a consacré. J'étais à mi-pente et je m'étais promené tout seul dans une montagne là, en Chartreuse. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, tout mon espace intérieur s'est transformé et que j'avais plus une montagne en face, mais j'avais un lac. Et c'était en noir et blanc, je m'en souviens très très bien. C'était une image en noir et blanc, comme un film qui était là. Et je savais à ce moment-là, je vous le dis maintenant, mais que c'était le lac de Tibériade. Ça ressemble à ce que vous avez vécu ? Il y a des points communs, des choses. D'abord, ce côté très soudain est complètement aux antipodes de ce qu'on est avant et après. Votre vie, manifestement, c'était le sport. Tout à fait. C'était le sport, une vie assez facile, c'est clair. Et puis, des amis, des amis eux. Ça ne peut pas durer très longtemps, ce genre de vie. Ça. Sinon, c'est vraiment du temps perdu. Ah, pourtant, il y en a qui perdurent, hein. Et qui ne s'en plaignent pas. Enfin, vous, en tout cas, vous nous direz comment vous avez reçu la révélation de la foi, puisque c'est quelque chose d'assez spectaculaire dans votre cas aussi. Sœur Marie-David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes novice dans un monastère bénédictin en Belgique. Ça signifie quoi, ça ? Que c'est un CDD pour l'instant, avant d'éventuellement basculer dans le CDI ? À peu près, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore sûr de prononcer vos vœux définitifs ? C'est-à-dire que non, j'ai prononcé des vœux pour 3 ans. Oui. Canoniquement, ça se termine cette année, donc ça veut dire que dans quelques mois, je pourrais prononcer mon CDI. Vos vœux définitifs. Voilà. D'accord. Quels sont les petits détails de votre vie d'avant qui vous manquent depuis ces quelques années ? C'est 6 ans ? 6 ans, oui. 6 ans que vous êtes en monastère maintenant. Une chose qui manque peut-être, c'est très curieux à dire. J'ai une famille assez nombreuse où il y a beaucoup, 8 garçons.
Et nous, nous sommes une communauté de femmes, donc c'est toujours des voix de femmes qui chantent. Mmh. Et de temps en temps, entendre la voix de mes frères, c'est quelque chose qui me manque. Ah. Ne serait-ce que la voix. D'accord. Un extrait du reportage qu'on vous a consacré, ma sœur. La première fois que je suis rentrée dans cette pièce, donc la prieure me faisait le tour du monastère. Elle est rentrée, puis elle s'est tournée comme ça en disant « Là, tu peux voir toute la bibliothèque, tous les livres que nous avons, les sorts de livres. » Mais moi, j'ai tout de suite été attirée par les bandes dessinées. Il n'y avait pas encore le grand bureau, donc je les voyais et je suis plongée dessus pour regarder comme ça tout de suite qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant. Puis la pauvre, quand elle s'est retournée, qu'elle a vu que je la suivais pas du tout, elle a dit « C'est là que tu es, ça t'intéresse ?» Je dis « Ah oui, si, si, à ça, alors c'est bon signe. » On entend souvent parler des vices, des mauvaises choses qui nous habitent. Et je me dis, en fait, l'homme, c'est un peu comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, vous êtes envahi de mauvaises herbes. Alors, si je fais un travail trop superficiel, voilà, je peux juste dégager ma terre. Mais si je n'ai pas enlevé la mauvaise herbe à sa racine, eh bien, ça ne sert à rien. Et je pense que dans ma vie, c'est la même chose. Si je n'ai pas été au fond des choses, une chose mauvaise qui m'habite, si je n'ai pas été jusqu'à la racine, cette chose, inévitablement, elle va revenir. Sœur Béatrice, bonsoir. Vous appartenez à l'un des ordres les plus stricts du catholicisme, les trappistes cisterciennes. Enfin, cisterciennes au féminin, ouais. Cisterciennes. Alors, vous dites quoi, masculin. Vous ben, nous disons plutôt cisterciens trappistes. Des cisterciens trappistes, donc. Pourquoi avoir fait ce choix, ma sœur? Ben, c'est-à-dire que c'est, en fait, nous vivons selon la règle de Saint-Benoît, mais en réalité, il y a eu une première réforme. Alors, quelle est en quelques mots la règle de Saint-Benoît? C'est une règle de vie que Saint-Benoît a écrit pour les moines qui insiste beaucoup précisément sur un certain retrait du monde pour chercher Dieu. Et qui repose sur beaucoup de solitude, par exemple, beaucoup de silence. Beaucoup de solitude et de silence. Et oui. De silence, oui. Plus quand même chez les cisterciens, la solitude et le silence que chez les bénédictins. Oui, parce que c'est vrai que, en fait, avec Saint-Marie-David et bénédictins... Attention, il y a débat, oui. Allez-y. Saint-Marie-David et bénédictines aussi. Hein. Donc, en fait, nous avons la même règle de vie, mais il y a eu une réforme, donc, au XIIe siècle, ouais. Et donc des moines bénédictins qui ont voulu revenir de façon plus proche de la règle de Saint-Benoît. Et il y a eu un peu une autre réforme à la trappe, et c'est pour ça que nous sommes un peu des cisterciens trappistes. Puis-je me permettre de donner votre âge, ma sœur? 56 ans. Ah, d'accord, bah vous le donnez vous-même. À quel âge vous êtes entrée au monastère? Je suis entrée à 21 ans. À quel monastère? Donc c'est l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes, pas très loin d'Angers. Donc c'est là où vous êtes entrée il y a plus de 30 ans maintenant? Oui, plus de 35 même. Plus de 35. Où êtes-vous aujourd'hui? J'y suis toujours. Ah, vous êtes au même endroit depuis 35 ah, ans? Ah oui, ça fait partie du jeu. Vous en sortez souvent? Peu. Combien de fois par an? C'est-à-dire que mon travail, je suis célérière dans le monastère, c'est-à-dire que je m'occupe un peu de toutes les tâches matérielles, économiques, oui. Donc ça me fait sortir de temps en temps. Mais je suis des semaines sans sortir, voire des mois. Si bien que c'est tout à fait... ça m'a quand même fait hésiter de venir ici aujourd'hui. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Je viens sur le plateau de la télé pour dire précisément que je vis séparée du monde et que je sors très peu. Ouais. Et alors? Un peu paradoxal. Je me suis dit que c'était un peu un comble. C'était un peu un comble, c'en était absolument. Oui. Vous regardez la télévision? Normalement, non. Enfin, habituellement, non. Vous trichez? Vous la regardez en cachette? Non, il faut que ce soit... quand je dis habituellement, il faut qu'il y ait des raisons tout à fait exceptionnelles pour qu'on la regarde. Hein, mais c'est vraiment très, très, très exceptionnel. Par exemple? En fait, nous utilisons la télé pratiquement plus pour passer des vidéos cassettes que pour la télé elle-même. Et qu'est-ce que vous regardez comme vidéo? Ça peut être des documentaires. Oui, surtout des films documentaires. Vous aviez 21 ans à peu près, à quelques mois près, le même âge qu'Alix a aujourd'hui. Étiez-vous aussi certaine, à son âge, de vouloir épouser Dieu plutôt qu'un homme? Quand je suis entrée, oui, effectivement, j'étais très sûre. Hein, pour moi, c'est vrai que, bon, il y a eu tout un cheminement avant, mais... Mais vers 17, 18, 19, 20 ans, avant ces 21 ans où vous êtes décidée, est-ce que vous hésitiez entre... Ah oui, avant, il y a eu des temps d'hésitation. Hein. Oui. Oui. Oui, j'ai... Vous avez envisagé de faire votre vie avec un homme, par exemple? Tout à fait, oui. À quel âge?
17, 18 ans. C'est vrai que j'ai pensé à la vie religieuse très jeune. Vraiment très, très jeune. 5 ans. 5 ans, je pensais. Mais, il y a 17, 18 ans, les sentiments humains vous ont rattrapé. Oui, 15, 17 ans, j'ai envoyé en disant, non pas que je disais non à Dieu, j'étais vraiment disponible à ce qu'il attendrait de moi, mais je me disais de toute manière, en fait, pourquoi pas le mariage, hein. Ouais. Et c'est vraiment dans ce sens-là que... Et bon, j'ai rencontré un garçon, j'avais 18 ans, hein, qui m'a écrit en me demandant bon, si on pouvait envisager un peu l'avenir ensemble. Et alors, je me suis dit, bon, Vous étiez amoureuse ? Oui. Hein, mais quand même, je restais avec ma question de fond, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Hein, c'est pas parce qu'un garçon est sur ma route que, pour autant, ça veut dire que le Seigneur m'appelle dans le mariage. Donc là, je lui ai écrit simplement. Il m'avait écrit, donc c'est vrai que par courrier, c'était un peu... Un peu sec. Un peu sec. Ouais. Ce serait à refaire, je pense que je ferais différemment. Vous n'avez pas peur de vous-même, plutôt, non ? Peur qu'il vous retienne, que l'amour terrestre soit plus fort que... Non pas que l'amour de Dieu, puisqu'on peut être croyant et pratiquant tout en se mariant. Est-ce que vous avez eu peur de vous-même, c'est ma question, de vos sentiments ? Non, je pense pas que j'ai eu peur de moi. Je pense qu'à partir du moment où l'amour humain s'offrait devant moi, étant donné que je restais vraiment avec la question de consacrer ma vie totalement au Seigneur, hein, de lui donner tout mon amour, c'était quand même une question. Et à ce moment-là, effectivement, je n'ai pas voulu faire un pas, hein, dans le sens d'avancer avec un homme avant de me rendre totalement disponible. Il fallait choisir, quoi. Oui. Il fallait absolument choisir. Oui. Et ça n'a pas été un choix facile, c'est ça que vous nous faites comprendre entre les mots. Pas tout facile. Pas tout facile, mais qui a abouti sur un choix paisible. C'est ça. Est-ce que vous pensez néanmoins à cet homme depuis ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'y penser ? De vous dire que vous auriez pu vivre une vie à ses côtés, avoir une famille, des enfants ? Est-ce que ça vous traverse l'esprit parfois, ma sœur ? Je ne veux pas dire non. Alors dites oui dans ce cas. Oui, c'est oui. Mais non, pas. Faut le mettre à sa juste place. Je pense que, quand j'ai choisi vraiment la vie religieuse, je l'ai choisi effectivement avec... je choisissais entre deux amours, hein, c'est sûr. Ah ouais. C'était le Christ qui était déjà vraiment quelqu'un dans ma vie, ou bien la vie avec un homme. Alex, vous posez ces mêmes questions, vous qui avez le même âge que Béatrice avait à l'époque. Tous les jours, je me pose la même question. Tous les jours, en me brossant les dents, je me dis, ok, maintenant je serai religieuse, on y va. Je dis à Dieu, si Dieu, tu me veux là, t'as intérêt à t'accrocher parce que ça ne va pas être facile tous les jours. Et en plus, une chose toute simple, c'est qu'on est femme et que la femme est faite pour avoir des enfants. Et ça, j'en pleure déjà à l'idée de me dire que je n'aurai jamais d'enfants. Vous avez déjà été amoureuse, Alice ? Bien sûr, je suis une femme, je suis un être humain quand même. Ouais. Êtes-vous amoureuse d'un homme qui ne le sait pas actuellement ? Non. 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 Vous voulez dire que Jésus le sait ? Jésus sait tout. Jésus sait tout, ah bon. Si vous avez été amoureuse dans le passé, est-ce que vous avez été tentée pour autant d'essayer de vous projeter dans une vie future avec ce garçon ? Bien sûr, mais à chaque fois... Vous en avez discuté avec lui ? Avec le garçon en question ? Chaque jour dans son temps. Et non, on n'en a pas discuté franchement, mais évidemment, dans la tête d'une personne, d'une jeune fille, le prince charmant, est-ce que c'est lui, etc. Et à chaque fois, j'avais une impression de non accompli, non fait. Enfin, je ne me sentais pas du tout à ma place à ses côtés. Et c'est pas là où je dois être. Enfin, lui avait les mêmes sentiments pour vous ? J'espère bien. Ouais. Non, mais il s'est déclaré auprès de vous ? Enfin, je veux dire... Oui. Ah oui ? Oui. Il vous a demandé de vous fiancer, de vous marier, de faire quelque chose, de construire quelque chose. Oui, c'est ça. Et vous lui avez dit ? Ah, mon coco, je pense pas que ça va marcher parce que... Non, c'est pas là où je veux être. C'est clair. Eh ben, je vais vous montrer un exemple de, ou peut-être quelques exemples plutôt de la vie que vous vous apprêtez à vivre avec la vie de Sœur Béatrice. Ça fait 35 ans que Sœur Béatrice a épousé Dieu. Vous vivez donc depuis toujours dans le même monastère, le monastère des gardes, et vous respectez donc à la lettre les règles strictes de la communauté. Donc vous vous levez tous les jours à 4 heures pour un premier office en pleine nuit. Vos journées se découpent entre temps de prière et de lecture, toujours dans le silence, et l'extinction des feux a lieu à 20 heures. C'est un reportage d'Olivier Martinet et Nathalie Talbaum.
les cisterciens, cette prière dans la nuit est très importante. Alors que la plupart des gens dorment encore, nous sommes debout et nous prions pour tous les autres. Quand on regarde Jésus le Christ dans l'Évangile, très souvent on le voit qui se retire la nuit seul pour prier. Qu'est-ce qui vous fait tenir après ces 35 années ? Ou c'est quelqu'un. C'est lui, le Seigneur, qui m'a appelé ici. Et quand le matin j'ai du mal à me lever, c'est précisément, je me dis, c'est pour lui. Trop forcé. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une dimension d'austérité qui est assez forte, mais précisément, pour moi, ça correspondait à un désir d'absolu. Si je peux dire, la Lectio Divina. Lectio Divina, c'est-à-dire lecture de la parole de Dieu qu'on lit, qu'on relit, qu'on rumine, un petit peu, vraiment, qu'on rumine, oui, si je peux dire. On la mâche et on la remâche de manière à ce qu'elle devienne une nourriture pour notre vie. Bien qu'elle n'habite qu'à quelques kilomètres du monastère, les deux sœurs de sang de sœur Béatrice ne peuvent la rencontrer qu'à l'occasion de quelques visites furtives. Moi, elle me manque. Elle me manque, mais c'est récent. C'est bon, je dirais, il y a une dizaine d'années. Il y a eu toute une époque où je trouvais qu'elle servait à rien, quoi. Bon, la prière, c'est beaucoup et c'est rien en même temps, quoi. C'est surtout par rapport à des études qu'elle avait faites. Moi, pour moi, c'était du gâchis, quoi, en fait, en gros. C'était ça. Moi, elle ne me manque pas parce que moi, je ne sens pas de séparation. Ah, moi, elle me manque. Moi, moi, je sais qu'il y a, moi, j'ai une fête importante dans ma famille. Prochainement, elle va me manquer. J'aurais aimé l'avoir à ma table. Et je sais qu'elle ne sera pas là. Moi, je la rencontre souvent parce que je vais régulièrement à la messe là-bas. Mais bon, on se fait un sourire, on se fait un regard, ce qui fait qu'on a l'impression... Moi, j'ai l'impression de la voir souvent. Hein? Mais pour parler, une fois tous les trois mois, peut-être. Quand vous allez à la messe, vous ne pouvez pas aller lui parler. Ah non, 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 non. On se croise, nos regards se croisent, mais ça s'arrête là. Rendre grâce au Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Le corps du Christ. Le corps du Christ. En tant qu'économe du monastère, sœur Béatrice a le privilège de pouvoir communiquer avec toutes les autres sœurs, des discussions qui restent pourtant limitées au strict nécessaire. Ça y est, vous avez fini la tournée, là ? Mais entre vous, par exemple, vous parlez de quoi ? Ben surtout du travail. On ne va pas parler de nos impressions sur les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, de nouvelles personnelles, par exemple, au niveau familial, au niveau de notre vécu personnel, de est-ce que ça va bien, est-ce que ça ne va pas bien, est-ce que... On a même souvent des manques à ce sujet. Je peux vous assurer que très souvent même, on se rend compte qu'on déborde alors qu'il ne faudrait pas, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Comment vous réagissez à ce moment-là quand vous sentez que vous débordez? Fraternellement, on se dit, tu ne crois pas qu'il serait bon d'arrêter? Thank you.
journal La Voix du vendredi 9 mai. France, le gouvernement reste ferme sur les retraites. C'est en soi une petite surprise dans la mesure où, jusqu'à présent, le ministre soulignait qu'il... Nous avons une lecture au réfectoire tous les midis, donc c'est la possibilité de donner l'information essentielle à tout le monde. On vit un peu en retrait du monde, mais on vit dans le monde, on fait partie du monde. Donc on a besoin de cette information qui nous permet d'être en relation étroite avec tous les autres. Aujourd'hui, sœur Béatrice reçoit la visite de son neveu Julien, venu lui présenter sa compagne qu'il doit épouser dans quelques mois. Julien, ça va ? Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, hein ? Eh ben, on était venu la dernière fois, c'était avec maman. Oui. Et on était venu, je sais pas, je Là, c'est plus le temps de papa. Ouais. En 99. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, aux noces d'or de papa et maman, qui le repas était ici en 95. Mm-hmm. Ici, ça a quand même pas mal changé parce qu'avant il y avait les tables là, les tables en triangle. Effectivement, on avait les tables en triangle qui faisaient un petit peu une séparation. Voilà, ouais, c'est là que oui, c'est ça. Vous étiez d'un côté et puis moi j'étais de l'autre. Les tables qui venaient comme ça, les tables en triangle. C'était une ligne discrète. Une ligne discrète, mais enfin c'était quand même une ligne, tu vois. Moi pratiquement, je passais pas de l'autre côté. Les visites de la famille, c'est 4-5 fois par an. C'est vrai que pour un certain nombre de mes frères et sœurs, je les vois maintenant une fois par an. Même si c'est difficile, c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait, hein, en choisissant la vie monastique, de marquer un certain écart par rapport à la vie dans le monde. Donc également une séparation marquée par rapport à la famille, qui est exigeante pour les deux côtés, c'est vrai. Ou ça vous paraît un petit peu monotone, toutes ces prières, toutes les journées? J'ose pas dire non, hein, parce que c'est sûr que c'est très répétitif. Mais même si on n'est pas toujours spontanément parfaitement accordé, qu'on sent pas toujours, ça correspond à un désir profond qui fait que même la monotonie, on peut tenir dans la durée. À peine 20h, chaque sœur regagne sa cellule. Dans quelques instants, tout le monastère dormira, car le réveil est à 4h. Donc voilà ma cellule. C'est tout simple. Ce qui a été difficile autour de mes 30 ans, ça a été de prendre conscience qu'en ayant choisi la vie monastique, en ayant choisi de renoncer au mariage, j'avais renoncé à être mère. Et c'est le moment pratiquement où mes frères et sœurs, donc qui sont tous plus jeunes que moi, commençaient avec des enfants, venaient au parloir et me les amenaient. Là. Chaque fois que je voyais les enfants, finalement, je faisais l'expérience de ce manque. Vers 40 ans, ça a été une étape vraiment quand même là difficile, difficile parce que c'était à la fois au niveau existentiel, enfin. Sens, vraiment une expérience de manque de sens. Vous avez vraiment remis en cause votre foi à ce moment-là? Remis en cause, pas jusqu'à remettre en cause, mais il y avait quelque chose d'ébranlé. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous êtes persuadée d'avoir fait le bon choix? Si c'était à recommencer, je recommencerais. Je pense que c'est assez clair. Ça l'est, effectivement. Ma sœur, on vous voit dans ce reportage, vous levez extrêmement tôt, enfin, entre autres choses, 3h45 pour prier. À quoi ça sert de se lever si tôt? En se levant tôt le matin, on veille devant le Seigneur, en étant unis à tous les autres qui dorment encore.
Alors, sa Marie-David disait que c'était beaucoup plus cool chez elle. Vous, c'est Grasse Mat, comment ça se passe Chez nous, chacune... Enfin, en fait, le premier office commence à 7h du matin. Et avant ça, il y a un temps de prière personnelle. Maintenant, si vous êtes un peu rapide, vous pouvez peut-être vous lever à 6h20 et être en prière à 6h30. Vous parlez de vous-même, là Non, moi, ça dépend des jours, oui. Ouais, ça arrive parfois, oui. Oui, parfois, 7h10 même. Ouais. Ah, oui. Ça, c'est la course. Sinon, je me lève vers 6h15, oui. En général. Oui. Alix, toujours partante? Toujours partante, oui. Ouais. Même 3h45 du matin pour aller aux premiers offices à 4h15? En ce moment, je me couche plutôt vers 2h du matin, donc faudrait un peu gérer la crise, quoi. Oui. Mais en fait, nous, on n'est pas, je ne rentre pas dans l'art contemplatif aussi. Ouais. Donc ça change. J'aurai pas le même rythme de vie que vous, mes sœurs. C'est-à-dire que vous sortez beaucoup, vous couchez à 2h du matin, en fait. Vous n'aurez même plus à vous coucher maintenant, quoi. En fait, directement à la prière. Directement, oui. Est-ce que vous comprenez que de l'extérieur, l'extrême rigueur de cette vie, le silence notamment, le silence, tous ces horaires et bien sûr toutes ces contraintes, mais le silence d'abord puisse paraître à l'extérieur incompatible avec un épanouissement personnel? Vu de l'extérieur, effectivement, je pense que oui. Il ne faut pas quand même trop le, faut pas trop le durcir, parce que je pense que notre silence, il n'est pas totalement absolu. Hein. Le but du silence, en fait, c'est de s'offrir mutuellement, puisqu'en fait, à travers le silence, on s'offre mutuellement un espace de solitude qui nous permet d'être, de nous rendre disponibles. En fait, on est là pour Dieu. Hein. Donc, de créer un espace intérieur, une disponibilité d'écoute de lui. Vous couchez à quelle heure? À 20h le soir, c'est ça, à peu près? Et donc, ouais. vous avez près 16 heures de vie éveillée. Vous vivez parmi ces 16 heures, combien d'heures dans le silence? C'est-à-dire qu'entre... À peu près, quoi. Oui, de 4h à 9h du matin, c'est vraiment ce qu'on appelle le grand silence. D'accord. Hein. Et à partir de 9h, bon, il y a les moments de travail, entre 9h, midi, 14h30, 18h, hein, qui sont des moments où on va communiquer pour le travail. On a aussi quand même des moments d'échange, mais d'échange en communauté, hein, de réflexion sur la vie qu'on mène, de réflexion entre nous, etc. Donc, sur chacun où on est, par rapport à ces doutes que vous évoquiez il y a quelques instants. Pas échange vraiment personnel. Ah non, alors justement, ce sont des questions que je voulais vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous ne dites pas à vos frères et à vos sœurs, par exemple? C'est-à-dire qu'on partage, on ne partage pas comme ça avec n'importe qui. Oui, avec toutes les autres. Oui, hein, d'accord. De ce qu'on vit, enfin, ce qu'on vit personnellement. C'est vrai que là, j'évoquais les moments difficiles que j'ai vécu, mes 30 ans, là où j'ai vraiment... Et puis mes 40 ans. 30 ans, c'était... Vous ressentiez le manque d'enfants, ou en tout cas, vous faisiez à l'idée que vous ne seriez pas mère. Oui, c'est précisément en écoutant Alix tout à l'heure, je me disais, en fait, moi, je ne l'ai pas perçu vraiment avant d'entrer. Mais c'est à 30 ans que ça s'est... Et à 40 ans, c'était le renoncement à le... Mais c'était plus renoncement au mariage. Renoncement au mariage qui ressortait, quoi. Ah oui, hein, oui. Et puis aussi quelque chose... Oui, pardon. Oui, quelque chose de très existentiel. En fait, c'est comme si, dans cette vie monastique que je vivais depuis 35 ans, je ne voyais plus que l'extérieur. Hein. Et en fait, une espèce de perte de sens totale, hein, qui m'a obligée à précisément recreuser, hein, recreuser pour retrouver profondément... Vous en avez discuté avec vos sœurs de ça? De personne à personne, avec quelqu'un avec qui je pouvais en parler, mais pas comme ça. C'est qui celle avec qui vous pouvez en parler? C'est la supérieure? C'est la supérieure. On n'en parle pas à tel ou tel, parce qu'on aurait une affinité particulière, quoi. Ça existe, quoi. On a le droit d'avoir des affinités particulières, d'avoir des copains, copines, des amis. Ça, ce sont des mots qui ont du sens pour vous. Même dans le monastère. L'amitié, c'est un mot qui a du sens. Oui. Hein, c'est vrai. Parce que de toute manière, même si on est toutes sœurs, les relations avec les unes et les autres... Ce sont des relations fraternelles, amicales. C'est des relations humaines. Mais est-ce qu'il y a des sœurs que vous n'aimez pas, par exemple? Il y en a avec qui les relations peuvent être plus difficiles. Sont plus difficiles, c'est une réalité que... Oui, c'est comme dans toute communauté, quoi. Bien sûr, on ne s'entend pas avec tout le monde. Il ne faut quand même pas imaginer, qu'une communauté de 30 femmes ensemble... Ça fasse une... simple. Oui. Non, il faut dire que c'est un petit miracle. Ah bon? C'est un petit miracle. C'est l'amour qui tient. Il y en a qui craquent. Non, mais dans le sens que si ce n'était pas vraiment le Seigneur qui nous appelle et qui nous a réunis, je pense que ça ne tiendrait pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où ça commence à chauffer, où les esprits peuvent s'échauffer, où il y a des tensions qui commencent à se créer, ce qui apaise le tout, c'est cet amour commun que vous avez. En fait, on sait que même si c'est difficile, même si on ne peut pas aujourd'hui, peut-être ce sera demain, et puis peut-être ce sera, mais que bon, il y a quand même un fond commun qui nous unit. D'accord. Alors ça, c'est le côté, même si c'est spirituel, c'est un côté raisonnable. Il faut
repasser par... Enfin, il faut le re-ressentir. Parce que parfois, on se laisse un peu aller, quoi. On peut s'énerver, on peut se fâcher. Oui, ça arrive. On peut se disputer. Tout à fait, oui. Vous vous criez, tout ça Ah, ça peut parler très fort. Ah oui. Ça peut parler très fort. Et parfois, vous boudez. Et tout d'un coup, on passe, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Oui, si, ça peut arriver. Ouais. Pas tous les jours et toute la journée. Hein. Mais vous parlez à toutes vos sœurs ou il y en a qui vous faites la gueule, par exemple? Est-ce qu'il y a des sœurs à qui vous ne parlez pas, quoi? Ça peut arriver. Ah oui. Ça peut arriver dans le sens que, enfin, bon, personnellement, tout d'un coup, avec tel ou tel, ça peut arriver que, là, aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que ça, non. Donc, bon, bah, je vais faire ce que je vais pouvoir. Et puis, bah, le moment où on pourrait essayer d'en reparler et puis de... Oui, d'en reparler carrément, hein, parce que là, on parle à ce moment-là. On va pouvoir parler personnellement pour... on ne va pas rester sur des non-dits. Non. Hein, on va essayer de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça crée dans votre monastère aussi, parfois, quand il y a des... Oui, bien sûr, mais ça ne dure pas. Non, parce qu'on imagine un monde excessivement paisible, qui est toujours dans le silence le plus parfait. Mais non, c'est la tout vie. Tout le monde s'entend. Non, c'est la vie dans tous ces états, quoi. Vous vivez à combien dans votre communauté? 10. Ah oui, d'accord, vous vous connaissez bien, alors. Ah oui, oui, oui. Et c'est 10 amis enfin, 10... Ah oui, quelque part, c'est 10 amis, oui. Ouais. Et chez vous, vous êtes combien dans votre communauté? On est 21. 21? Oui. Et c'est 20 copines? Pas toujours, non. Non, pas toujours, non. Non, il y en a que vous n'aimez pas trop? Enfin, pas aimer ça, c'est un peu un trop grand mot, dire pas aimer, mais c'est vrai qu'il y a certaines avec qui on a moins de sympathie, et avec qui les caractères sont tellement différents que... Voilà, c'est trop difficile de s'entendre? On essaye. Oui. Moi, je crois que l'avantage, c'est justement, comme on a des personnalités assez fortes chez nous et assez différentes, c'est ce qui nous permet peut-être de grandir plus. Si je m'accroche à une sœur, eh bien, je peux me dire, elle t'es là pourquoi? Ta sœur, elle est là pourquoi? Donc, remets-toi à ta place, quoi. Ah, mais j'ai l'impression que vous deviez avoir une personnalité très soumise, au contraire, pour pouvoir tenir une vie comme celle-là. Pas du tout. On ne doit pas du tout être un mouton de panurge. Hein. Ah bon? Non. Il me semblait. Non. Saint-Benoît, il ne nous demande pas, quand on rentre dans un monastère, de rentrer dans un moule. Vous voyez, on passe, on ferme le gaufrier, on ressort, on est toutes les mêmes. Non, pas du tout. Vous restez différente avec votre personnalité. Voilà. Est-ce que vous parlez de vos doutes intimes avec celles que vous aimez bien dans votre communauté? C'est-à-dire qu'on a une sœur qui est responsable de nous suivre dans notre formation. Et donc là, c'est l'occasion d'en parler, oui. Oui. Y compris les questions les plus intimes que peut poser n'importe quel être humain. Ouais. Et là, vous avez l'occasion d'avoir un dialogue et d'avoir des réponses qui vous éclairent ou qui vous soulagent. Voilà. Et est-ce que parfois, ça ne vous soulage pas? Est-ce que parfois, vous restez des nuits à réfléchir, à repenser des choses qui sont profondes et auxquelles les réponses qu'on vous a données ne vous ont pas satisfaites? Ça ne m'est pas encore arrivé. Ça m'arrivera peut-être, mais ça n'est pas encore arrivé. D'accord. Vous avez quel âge, là? 35 ans. Parlons maintenant de la vie avec sa famille d'origine, si je puis dire, puisque c'en est une autre que vous côtoyez chaque jour. Dans le reportage sur Béatrice, on voit votre neveu vous présenter sa future femme et vous ne pourrez pas être là le jour du mariage. Alors, ce sont des réunions familiales qui sont très importantes et puis en plus très festives. Quoi. Ça vous fait mal au cœur un peu de ne pas pouvoir être là? Ah ben si, c'est toujours... C'est-à-dire que ça m'est difficile pour moi, mais ça m'est presque encore plus difficile pour eux parce que moi, j'ai choisi. Hein, j'ai choisi cette vie, c'est vrai, je sais pourquoi je l'ai choisie. J'ai choisi, comme je disais tout à l'heure, de vivre vraiment pour le Christ. Hein. Et, bon, eux sont eux n'ont pas choisi de ne pas vous voir, en tout cas. Eh bien non, justement. Voilà. Hein, donc c'est là que c'est plus difficile. Hein. Est-ce qu'ils comprennent parfois ce renoncement? Ben, je pense qu'ils c'est dur. Hein, et quelquefois, ils me disent carrément qu'ils en souffrent. Mais quand j'ai vu Julien l'autre jour, bon, ça, c'est pas dans le reportage, mais en fait, on a continué de causer après. Ouais. Hein, et en fait, on s'est dit très clair que le jour de leur mariage, eh bien, je ne serai pas là présente. Mais ils sont très sûrs que je serai là de cœur et par la prière. Ah, bon, ça, oui. Oui. Vous prendrez un peu sur votre temps de prière? Non, je ne prendrai pas de plus. Ouais. Mais ça fera partie, parce que c'est pas de la, on ne met pas de la prière bout à bout. Non, mais on pourrait faire un spécial dédicace, vous voyez ce que je veux dire. Non, de toute façon, en fait, on porte, même au niveau des intentions de prière, on se partage. Il y a par exemple un tableau où on affiche les demandes de prière. Et moi, ce jour-là, non seulement je prierai, moi, pour Julien et Christina, mais je vais afficher que, bon, je dirais que j'ai mon neveu qui se marie ce jour-là, par exemple. Ah donc, d'autres sœurs prieront pour leur union? Oui. Ah, bah, c'est sympathique. Et même tout ça. Si on ne se le dit pas effectivement, on sait qu'on... On se fait des... D'accord. C'est une façon de s'épauler un peu en douce et puis en même temps d'être ensemble dans cette communauté de fraternité. De toute façon, c'est cette dimension où on est
on est en retrait, c'est vrai, de la vie du monde. Mais j'ai presque envie de dire, peut-être ça vous... Il y a un vieux moine qui disait, séparé du monde, séparé de tous, pour être uni à tous. Vous comprenez le désarroi de cette maman qui a sa fille aînée, qui a, enfin sa fille, hein, je suis aînée ou pas aînée, peu importe, excusez-moi. C'est l'aînée. Oui, c'est l'aînée, mais c'est pas, c'est une de vos quatre filles, et vous aimez toutes vos quatre filles. Oui. Voilà. Qu'elle soit désolée que sa fille n'ait pas suivi le chemin d'une vie de maman et d'une vie d'épouse et de fille. Oui, je le comprends parce que j'ai fait l'expérience moi-même avec maman, pour qui ça a été très dur quand je lui ai annoncé que je choisissais la vie monastique et que je choisissais d'entrer dans la vie trappiste. Mais je sais que... Bon, puis en fait, c'était vraiment pas son projet. Hein. Elle souhaitait vraiment que je me marie, et puis etc. Quoi. Mais finalement, maintenant, je pense que ce qui compte beaucoup, c'est qu'elle s'aperçoit que sa fille est heureuse. Et je ne sais pas si vous faites cette expérience-là vous-même, je suppose que vous la faites. Oui, elle est heureuse. Enfin, je pense. Mais je ne la vois pas vraiment épanouie. Je la vois souvent inquiète. J'ai l'impression qu'elle est inquiète, qu'elle a quelque chose qui l'inquiète. Je ne sais pas quoi. Et bon, j'essaie d'en discuter. Elle me dit non, tout va bien. Et j'ai l'impression, c'est idiot à dire, que tant que je n'accepterai pas qu'elle rentre, enfin, qu'elle soit là où elle est, je lui tiendrai la tête hors de l'eau. Et le jour où je vais dire, bon, dans le fond, elle a bien fait, je la lâcherai, là, elle va se noyer. Je sais que c'est ridicule. Mais c'est pas forcément ridicule, c'est l'impression moi, que vous avez en tant que maman. C'est exactement ce que j'ose. On y reviendra, Alix. Qu'en pense votre maman que vous épousiez la vie dans 4 mois maintenant? Elle est contente. Elle est contente? Non, je suis la dernière de la famille, donc je suis petit bébé. Mais non, elle est contente. Elle est contente. Après avoir écouté sur Béatrice, ce sont des témoignages qui sont rares pour des raisons qu'on a vues plus tôt. Est-ce que vos appréhensions ont trouvé des réponses supplémentaires ou au contraire plus de questions encore? Non, je pense que je verrai au moment donné, en septembre, comment ça se passait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le quotidien de sa vie à travers le reportage qu'on a montré? Il me tarde d'y être. Ah oui? Et moi, je vous dis, je suis pas une soeur contente, je ne serai pas contemplative, je serai apostolique. Donc nous, on ne se lève pas à 4h, mais à 6h30. C'est une, comme sœur Marie-David. Donc c'est différent et on est l'apostolat auprès des jeunes, auprès des malades, auprès des pauvres. Donc, c'est une mission de contact alors. Voilà. Combien d'heures de prière par jour en tout? Toute notre vie est une prière en fait. Toute parce que même, est une prière, même oui. La, non, mais même de la silence, je voulais dire plutôt. En fait, ça dépend. Quand j'aurai fini la formation, on a le silence qu'on veut. En fait, déjà, on a une heure d'adoration. Donc là, c'est le silence. C'est un dialogue d'amour, un cœur à cœur avec Dieu. Après, il y a quand même on demande un certain silence. Par exemple, les repas sont pris en silence. C'est comme chez vous, il y a une lecture, etc. Quel conseil vous pourriez donner à cette jeune femme, ou peut-être des questions à lui poser, cette jeune femme qui s'apprête à vivre une vie de monastère? Madame. Non, je lui ai demandé si elle était toujours d'accord, elle me dit oui, Moi, ça me fait peur, franchement, surtout jeune comme ça. Ma fille, la première fois qu'elle m'en a parlé, elle avait 21 ans, et je lui ai dit, réfléchis avant. Effectivement, elle a réfléchi, elle n'est pas rentrée à 21 ans, elle est partie, elle a travaillé pendant 10 ans en tant qu'infirmière. Et puis bon, à 31 ans... Il y a combien de temps? Il y a 11 ans. 11 ans, quand même. Il y a 11 ans et 2 ans qu'elle a prononcé ses vœux. Des questions à cette jeune fille? Moi, ça m'étonne un peu, pardon, parce que si j'ai bien compris, tu es toujours aux études. Voilà. Elle fait la fête tous les soirs, elle fume... Non, ça c'est le problème. Ah si. Oui, en plus, mais c'est que je me dis, voilà une jeune fille qui va rentrer dans le monde religieux, qui ne va pas connaître le monde du travail avant, qui ne sait peut-être pas ce que c'est de se débrouiller, d'avoir un salaire à payer, son téléphone, ses notes, ses factures et compagnie. Si dans 3-4 ans, cette jeune fille se dit « Moi, je me suis trompée », comment va-t-elle réintégrer la vie sociale? Question que j'ouvre. Parce que vous avez pris vos précautions, vous avez été au bout de vos études avant de porter le voile? Ah oui, tout à fait. C'était une exigence de mes parents. Notre père nous a toujours dit à tous, le jour où vous avez un diplôme en poche, vous faites ce que vous voulez. Ouais, pourtant... Mais il faut d'abord un diplôme en poche. D'accord. Et le monastère où je suis demande, quand une jeune vient, d'avoir au moins travaillé 1 ou 2 ans. C'est tout à fait vrai ce que dit sœur Marie-David. C'est vrai que c'est aussi parce qu'avant de faire des définitifs, il faut prévoir l'avenir. Mais même indépendamment de ça, je pense qu'il y a une satisfaction personnelle et ça fait partie de la maturité d'une personne adulte qui est de s'assumer. Donc la communauté qui va vous accueillir en n'exigeant pas de vous d'avoir un diplôme et de travailler, elle ne vous respecte pas d'une certaine manière.
parce que ce serait... Parce qu'elle ne laisse pas vivre ce, en toute indépendance, de voler par ses propres ailes. C'est une exigence qui peut-être paraît difficile, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est d'entrer et de tout donner à Dieu. Ça, je le comprends tout à fait. C'est pour ça que ce n'est pas tellement à vous, Aldix, qu'il faut demander de réfléchir. Mais par contre, moi, j'interrogerai la communauté en disant comment se fait-il que vous ne renvoyez pas cette jeune fille à une dimension adulte qui est de s'assumer dans le travail, quitter la famille, etc. De toute façon, elle n'est pas là, la communauté, pour répondre. Hein, donc, vous lui posez la question de part. Quoi. Non, mais c'est déjà fait, la question est déjà posée, parce que c'est une question importante. Vous avez entièrement raison. En fait, j'ai eu mon bac, je suis partie un an au Sénégal pour faire l'humanitaire. Et en rentrant, je dis, c'est clair, je rentre en septembre chez les sœurs. Et tout d'un coup, enfin, je ne me suis rendue pas du tout prête. On avait discuté avec les sœurs. Et en effet, je n'étais pas du tout prête. Après le bac, j'avais 20 ans, rentrée chez les sœurs. Parce que maintenant, vous en avez 21. Ouais, maintenant, je suis vieille, je connais le monde. Non, mais ce n'est pas ça non plus. Mais c'est que là, j'ai pris un an pour me poser, pour poser mes valises, pour me prendre en charge. Parce que chose que je n'avais pas fait de complément. Parce que j'étais en pension en plus, donc dans un petit concon, etc. Et d'un point de vue général, en ce moment, par exemple, vous êtes imposé un style de vie pour vous préparer à entrer dans la communauté, ou vous vivez vraiment comme une jeune fille de... Je vis normalement, parce que justement, c'est ce que je voulais faire. C'est parce que donc, j'étais 5 ans dans une pension, après je suis partie au Sénégal, et je voulais vivre une vie normale d'étudiante, normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc un boulot, des études, du shopping, des sorties, vous fumez ? Évidemment. Ouais. Vous aurez le droit de fumer dans... Alors, plus fort que le patch ou le monastère, alors. Chacun sa croix, mais moi, ça sera ça. Chacun sa croix. Oui, donc, vous allez arrêter de fumer. Voilà. Oui. Arrêter de sortir. Voilà. Arrêter de faire du shopping. Vous faites encore du shopping ? À quoi ça sert ? Tous ces vêtements ne serviront plus à rien. Ben non, je vais donner aux pauvres, ou à mes sœurs, ou à mes amis. D'accord. Vous en êtes où dans vos relations avec les garçons ? Ça se passe très bien. C'est un discret. C'est normal. Non, je ne suis pas gênée. Non, ça se passe très bien. Évidemment... c'est que je suis une future religieuse qui se respecte, non quand même pas, mais il y a un très bon rapport avec les garçons, il n'y a pas de problème, j'ai des amis garçons, des amis filles, il n'y a aucun souci. Non, mais jusqu'où vous vous autorisez à aller dans vos relations avec les garçons aujourd'hui avant d'entrer ? Où vous autorisez à aller jusqu'à vos relations avec vos amis ? Mon ami en tout cas, des relations physiques assez épanouies, j'en remercie. Non, moi je n'ai pas d'amis, mais je vous en prie, de vos nuits précédentes, mais non, mais avec vos amis, amis, amitié, vous n'allez pas sortir avec tous vos amis. Dont je parlais, vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sortirai pas comme ça. Je n'ai pas de copain, je n'ai pas de petit copain, je n'ai pas de petite amie. Vous n'en avez jamais eu ? Si, j'en ai eu. Ah oui. Pas sûr que oui. D'accord. Donc ma question reste la même. Jusqu'où vous êtes-vous autorisé à aller dans vos relations avec ces petits amis ? Je suis encore vierge. Oh, écoutez, pas d'applaudissements, vraiment, tout se perd aujourd'hui. Hein. Non, non. De ce que vous en avez vu de sa relation avec les hommes, Alix, est-ce suffisant pour vous dire que ce ne sera plus jamais avec un homme ? Sœur Emmanuelle disait qu'elle préfère rentrer chez les sœurs puisque l'amour d'un homme ne suffit pas. Sortir avec un garçon, quand je sortais avec un garçon, j'avais un garçon à côté de moi, ça se passait hyper bien, etc. Mais même là, je ne me sentais pas à ma place, il y avait quelque chose de non fait, de pas accompli, de pas fini. Et quand je suis chez les sœurs, c'est ça, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est là où Dieu m'attend. Et allons-y, faisons cette folie si Dieu est avec moi et si je m'accroche à Dieu et si Dieu s'accroche à moi, peut-être qu'on Mais est-ce que vous êtes autorisé à aller, sans parler de relations sexuelles, est-ce que vous êtes autorisé à aller suffisamment loin dans la relation sentimentale, amoureuse avec ce garçon ou ces garçons que vous avez aimés aujourd'hui? Pour pouvoir, oui, non, dans le passé, pour pouvoir juger aujourd'hui que rien n'est aussi fort que l'amour de Dieu. Oui. Ah, je trouve bien définitive, hein. Comme vous l'étiez à son âge. Oui, mais il faut dire qu'à 20 ans, en écoutant Alix, je me dis, c'est vrai qu'à 20 ans, on est très éprise d'absolu et très tranchée. De toute façon, c'est important parce qu'en fait, on fait un choix, et un choix très, très, très fort à ce moment-là. Et qu'on doive le réassumer à d'autres moments dans sa vie, ça, c'est pas un problème, ça fait partie de la vie. Mais de toute manière, le choix qui est fait ce jour-là, en fait, il tient. Que comprennent vos amis actuellement de votre engagement futur ? Alors, au début, ils m'ont dit « tu tiendras jamais, Alix ». En fait, la vocation religieuse, j'ai depuis mes 10 ans, donc j'en ai parlé, puis j'en ai parlé. Donc, ça n'a pas été quelque chose d'étonnant, ça n'a pas été la surprise, mais au contraire, c'est « enfin, tu le dis vraiment, maintenant, t'assumes ». Est-ce qu'il y a des réflexions qui vous ont blessé par ailleurs, maladroite peut-être, ou méchante même ? Style « pourquoi tu fais ça ? Tu veux quitter le monde ?» Ça vous blesse, hein ? On m'a dit « de toute façon, tu ne nous aimes pas ».
tu préfères te construire une nouvelle famille, tu nous abandonnes, mais réagis, c'est n'importe quoi, tu cherches un monde complètement utopique, le bonheur n'est pas chez les sœurs, de toute façon, est-ce que Dieu existe ? Ça en fait un tas de bonnes questions. Ouais, ouais, donc ça, c'est un peu lourd tout ça. Ouais. Ça touche forcément, oui. Mais il faut essayer de dépasser ce contact un peu affectif. Il faut passer au-delà de l'affectif. Votre personnalité vous semble adaptée à la vie monacale ? Parce que moi, pas par exemple. Enfin, je veux dire, je parle de ce qu'on voit de la vôtre. Quoi. Vous êtes très exubérante, très curieuse, etc. Il va falloir quand même vous discipliner, quoi. Oui. La maîtresse des postulantes m'a dit qu'il fallait tailler dans le roc. Tailler dans le roc. Voilà. Mais en même temps, c'est super. Ça prouve que je suis un immense chantier et que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est une façon de porter un regard sur vous-même qui est un peu brutal, quand même. Non, mais sœur Marie-David a tout à fait raison. Il faut rester nous-mêmes. Si Dieu nous demande de le suivre, c'est pas... Oui, il a demandé à la même personne, à Alix Deniel, il n'a pas demandé à Micheline Bertrand. Donc voilà, il faut garder ce caractère. Et puis, de toute façon, il faut que j'apprenne, mais... Alors, il vous l'a demandé à quelle heure et de quelle façon, Dieu ? À 21h45. Oui, c'était quel jour ? Comment ça s'est passé ? Non, en fait, quand j'étais petite, on a une famille catholique pratiquante. À la messe, c'était une intimité qui se créait avec Dieu, un peu une complicité, si on peut dire. Et puis voilà, j'ai grandi. Il y a eu un appel très fort quand j'étais en troisième. Tout d'un coup, c'était à la messe. Enfin, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est là, c'est... Voilà. Et puis après, un peu plus tard, en première, des problèmes de famille qui ont ressurgi, etc. Et moi, et puis j'entends un peu le brouillard, etc. Et tout d'un coup, j'étais à la messe des cendres au début du carême. Et en fait, à la messe des cendres, le prêtre nous impose les cendres et nous dit « Convertissez-vous, c'est ça ». C'est bon, c'est ça. J'ai bien pris mon catéchisme. Et croyez à l'évangile. Voilà. Et alors moi, j'y allais en traînant des pieds, etc. C'est une amie qui m'a dit, ah, si, il faut y aller, etc. Ok, on va aller à la messe des cendres, super. Et donc, en recevant cette croix, quand le prêtre m'a signée, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, mais pardon, je suis désolée, mais pardon. Et après, à la communion, j'ai pleuré de joie. Parce que là, Dieu m'a consolée, Dieu m'a pris dans ses bras. C'était... Voilà, et puis... Voilà, c'était au fur et à mesure. Et puis l'année dernière, c'est au Sénégal où j'ai vraiment compris, parce qu'en plus, j'étais près d'un monastère bénédictin. Là, j'ai vraiment rencontré la charité fraternelle. Dieu se donne à ses frères en charité. C'est comme ça que je pense qu'ils arrivent à vivre. Et en fait, j'étais le matin dans un dispensaire et l'après-midi dans une école où je faisais de l'alphabétisation. Et c'était ce partage entre le service auprès des autres, auprès des plus pauvres et la prière. Enfin, qui font vraiment... tout ça, voilà, additionné avec les années, vous ont convaincu dans votre certitude. On est à Jean-Noël de nous rejoindre, qui va venir nous apporter son point de vue. Jean-Noël, il s'est fait, lui, recaler. Je vais vous expliquer. Venez, Jean-Noël. Sous les applaudissements du 102 pour accueillir ce... Alors, monsieur, bonsoir, monsieur. Enchanté, asseyez-vous. Là, vous rentrez. Oui, Jean-Noël, comme Alix, que vous avez écouté, j'imagine, avec beaucoup d'attention, vous avez souhaité devenir moine. Pourquoi moine et pas simplement prêtre ? Bien, c'est une histoire qui rejoint un petit peu sœur Béatrice, parce que j'ai connu un moine trappiste cistercien et j'ai été émerveillé par la vie de cet homme, par la vie du monastère. Vous aviez quel âge ? J'avais 26 ans. Et je suis rentré donc dans ce monastère. J'étais dans l'armée, j'ai demandé ma démission. Oui, vous avez fait des études assez poussées avant ça, dites-nous. Oui. Oh, j'avais fait Sciences Po et ensuite Saint-Cyr. Ah, oh bah quand même. Voilà. Et à l'époque, c'était peut-être moins difficile qu'aujourd'hui. Oh, bah bien sûr. Et donc, je suis rentré heureux de. Comme tout chez les trappistes, et ça n'a duré qu'un mois, parce que je me suis trouvé bloqué par cette vie toujours en commun, toujours les uns avec les autres. Et je suis tombé sur un petit livre de Don Guilleran, qui s'appelle Harmonie contemplative. Et j'ai dit à mon père maître, mais c'est là que je veux aller, moi je veux être Chartreux. Il m'a dit, vous n'y pensez pas, Chartreux, c'est impossible, c'est beaucoup trop difficile. Qu'est-ce qui est si difficile ? Ils sont toujours tout seuls. C'est l'inverse de la trappe. Et puis finalement, j'ai insisté, ils m'ont emmené en deux chevaux jusqu'à la Chartreuse de Sélignac, dans l'Ain, et j'y suis resté. Le père maître m'a admis tout de suite, et j'y suis resté. Vous avez passé 5 ans chez les Chartreux ? 7. 7 ? 7, parce que j'ai prolongé ma... Enfin, j'ai fait mes 2 ans de noviciat,
3 ans de profession simple. Qui font 5. J'attendais avec impatience la profession solennelle le 25 mars. 1960. Attends, on va prendre notre temps. 60, normalement. On ne va pas tout raconter les surprises tout de suite, car il y en a. Jean-Noël, comment ça se passait ce quotidien de vie de Chartreux pendant cette année? Merveilleux. Non, mais d'accord, et plus concrètement? On est dans un autre monde. Moi, c'est ce que je ressens de la vie. C'est ce que c'est je garde. Ce qu'ont dit vos frères c'est et sœurs. Ce garde, oui, mais c'est ce que je garde de mes 7 années, si vous voulez. On est sur une autre planète. D'accord. On a strictement aucun contact avec le monde extérieur. Quand on est Chartreux, c'est rien. On ne sait même pas, si vous voulez, la mort de Kennedy à l'époque ou la fin de la guerre de l'Algérie, je n'ai même pas su. On est dans un autre monde où on est plus proche de ses grands-parents qui sont morts ou de sa nounou qu'on aimait, vous voyez, et qui n'est plus là que de ceux qu'on a laissés. Qui est cet homme derrière vous? Eh bien, je devais avoir 28 ans, 29 ans. C'est vous. Donc là, vous étiez Chartreux à l'époque. Oui. Vous étiez très content. Vous nous avez dit que vous dansiez la valse dans votre cellule au début. Ça m'arrivait. Ah oui. Ça m'arrivait. S'imagine ce qui peut se passer dans les cellules. Qui n'a pas grand-chose et qui n'est pas meublé. Et alors, on a la place de prendre sa grande robe et de valser. Seul. Et sans musique. Oui, avec la musique intérieure, quoi. Voilà. Alors, 5 ans plus tard, il était temps pour vous, comme pour son mari David, de prononcer vos voeux solennels, définitifs, c'est-à-dire d'être admis dans l'ordre pour toujours. Comment vous avez vécu cette procédure d'admission, vous qui aviez passé haut la main les examens de Sciences Po et de Saint-Cyr? Eh bien, si vous voulez, chez les Chartreux, comme chez les autres moines, hein, chez les bénédictins, de manière générale, chez les moines, il y a un vote du chapitre. C'est-à-dire qu'au moment où on demande à faire la profession, les autres moines, ils ont le choix entre un ricotoir... Ils ont tous le droit au chapitre, alors. Ça se passe dans le chapitre, la pièce qu'on appelle le chapitre. Et c'est ça, c'est ce que veut dire l'expression « avoir voix au chapitre hein. ». C'est ça. Bon, et ils doivent mettre un petit haricot, soit noir, soit blanc. Il y avait combien de moines? 22. 22 votants. 22, 23. Combien d'inscrits? Non, pardon. Et je crois avoir eu, mais je ne saurais jamais, je crois avoir eu 2 ou 3 haricots noirs, ce qui fait que... Vous êtes passé à la majorité? Oh non, il faut l'unanimité, en fait. Ah. Pratiquement. Vous avez eu quoi? Vous avez eu 19 haricots blancs et 3 haricots noirs. Voilà, je pense, hein, je n'ai pas de certitude. Mais il suffit d'en avoir 2 ou 3 comme cela, et alors les supérieurs se posent des questions. Ils parlent entre eux, je suppose, mais ça reste mystérieux pour celui qui attend de faire sa profession. Et on m'a dit, écoutez, non, on ne vous prend pas. Haricot noir. J'ai dit, si, moi, je ne veux pas m'en aller. Hein. Alors, j'ai été accepté à faire 2 ans de plus, de renouveler mes vœux simples, hein, qui avaient déjà duré 3 ans, plus 2 ans de noviciat, ça faisait 5 ans. Et j'ai renouvelé pour 2 ans. Une nouvelle. Alors là, vous ils ont accepté. Ans, d'accord. Ouais. Ils ont accepté. Et puis, là, je vous dis, ça reste assez mystérieux. J'ai rencontré le révérend père de Chartreuse il y a 1 an, parce que je reste très en contact. Oui. Il ne me le dira pas et il me demande de ne pas lui demander. Voilà, c'est simple. Quoi, le coup d'haricot? Eh bien, la vérité, non, mais la vérité, la raison pour laquelle... Oui, ce qui s'est passé, c'est facile à... Enfin, je veux dire, c'est facile à comprendre, non, mais non, en gros, il y a 2-3 moines qui ont pensé que vous n'étiez pas fait pour cette vie-là, quoi. Voilà. Mais peut-être que c'était ceux qui ne vous aimaient pas et qui ne voulaient pas vous avoir avec eux, tout ça. Pas du tout une question d'amour. Ah bon? Parce que sœur Marie-David, elle l'a dit qu'elle n'avait pas que des copines dans le monastère. Hein, donc, si ça se trouve, vous allez avoir des haricots noirs, vous aussi. Je ne peux pas savoir. C'est-à-dire, chez les Chartreux, si on a très peu de contact avec les autres. On a une récréation par semaine. Le reste du temps, on est dans sa cellule. Donc, on connaît les moines qui vous font faire leurs études, parce que j'ai fait mes études de sacerdoce, de théologie. Mais en fait, si vous voulez, ils ont extrêmement peur qu'on s'en aille après la les grande vœux profession. Définitifs. Voilà. Ouais. Parce que c'est une situation complètement bloquée vis-à-vis de l'Église. Personne ne peut vous relever de vos vœux. Véronique, vous avez prononcé vos vœux définitifs? Non. Non. Ouais. Oui. Les vœux définitifs, c'est très... strict, très fort, si vous voulez. C'est comme son nom l'indique, quoi. Voilà, même le pape ne peut pas vous relever de vos vœux. D'accord. Pour les Chartreux. Et donc, ils sont très prudents. C'est propre, quand même, très particulier aux Chartreux. Hein. Oui, d'accord. Ils sont très prudents, très, très prudents. Vous avez été rouspété, vous avez manifesté? Ben oui, justement, j'ai été trouvé un père et j'ai été lui faire une scène. Parce que je pensais qu'il avait mis un haricot noir. Oui. Il m'a écouté très tranquillement, très calmement. Et puis il m'a dit, Don Noël, on m'appelait Don Noël, parce que mon prénom est Jean-Noël, j'avais gardé. Bon. Don Noël, vous voyez bien que j'avais raison. Parce que vous êtes mis en colère? C'est-à-dire, oui, j'ai fait 3 fautes, je suis sorti de ma cellule sans permission, j'ai été lui faire une scène, bon, c'était impensable pour un novice chartreux ou pour un jeune prophète. Ouais. Donc, vous voyez, bon, je crois que... Mais ça vous a fait prendre conscience qu'il avait raison ou vous manifestiez... À l'époque, non, puisque j'ai demandé à rester encore 2 ans. Ah, oui. Alors, vous avez fait vos 2 ans en Suisse?
Non, j'ai fait encore un an à Célignac, la petite abbaye, et ensuite on m'a envoyé à la Val-Sainte en Suisse, qui est une très grosse, enfin qui était une très grosse communauté. Et là, on m'a dit à moi avant la définitive profession, puisque là je ne pouvais plus renouveler encore. Là, c'était donc, le rattrapage. 7 ans. Oui, il n'y avait plus de rattrapage. Et d'accord. Là, on m'a dit que le révérend père de Chartreuse ne me prendrait pas, et donc je suis parti. Avant même le vote. Oui, avant le vote, il n'y a pas eu de deuxième vote. Mais quel était, mais quoi en votre comportement, Jean-Noël, pouvait laisser penser au premier pense, comme au deuxième Chartreux. Si vous voulez, pour rire un peu. Ah ben, rions un peu. Parce que c'est un homme qui vit toujours, qui a 86 ans, qui était mon père maître. Oui. Je pense qu'il a fait une faute professionnelle. C'est-à-dire qu'il m'a admis, parce qu'on a eu un contact, il m'a admis alors que je ne peux pas chanter. Je n'ai strictement aucune oreille, aucune voix, et je ne peux pas chanter. Donc je suis resté 7 ans presque, un mois près, sans ouvrir la bouche à l'office. Alors pour celles qui chantent, c'est un problème, ça. C'est pratiquement, ça crée une tension. S'il faut faire Star Academy pour devenir chartreux maintenant, c'est... Non, mais c'est rédhibitoire. Je ne peux pas ouvrir la bouche. Ah oui. Voyez. Et ça, c'était très grave. Ben, on est là pour ça. C'est la moitié de la vie du chartreux, c'est de chanter l'office. Hein. Aura. Donc vous êtes à l'office, ça dure 3 heures la nuit parce que nous on se lève la nuit, donc de 11 h à 2 h du matin. Et vous priez votre prière intérieure, un peu la prière souvent des orthodoxes, vous voyez, la prière du cœur qu'on est obligé de substituer à l'office. Mais vous n'ouvrez pas la bouche parce que sinon les autres vont dérailler. Parce qu'en chartreuse, il n'y a pas d'instrument de musique, c'est du plein chant. Donc si vous chantez faux, tout l'office est fichu en l'air. Ça vous est arrivé, ça? Et voilà. Et donc je pense qu'ils ont dû se dire aussi qu'un jour ou l'autre, moi j'allais craquer. Mais est-ce que c'était une blessure pendant quelque temps quand même? Pardon? Est-ce que c'était... Oui, les premiers mois sont difficiles. Vous êtes sorti à quel moment dans l'année vous êtes sorti? En juillet, je suis rentré en juillet, je suis sorti début juillet. Et là, vous avez ressorti directement de la Jaguar pour aller à la plage? Non, oui, enfin, je me suis retrouvé chez une sœur à Aix-en-Provence, et effectivement, oui, je... Alors, je suis retrouvé dans la vie de sœur, normale de la famille. Parce qu'il faut préciser que vous étiez acheté une Jaguar avant d'entrer chez les Chartreux. Non, pas chez les Chartreux, avant. Pardon, chez les... Chez les Trappistes, non chez plus. Les Trappistes, avant, je veux dire, avant. Une Jaguar. Mais c'est vrai que le père Robert, je sais pas, est venu dans ma Jaguar. Non. Si. Il me confessait dans ma Jaguar. Non. Si. Trop classe, non? Franchement, ça a du style. Non, parce qu'il était, il était aumônier dans une abbaye de Trappistine, vous, en Normandie. Vous savez. Et j'allais le voir, parce que là, il n'avait plus de liberté que quand il était à la trappe de Cîteaux. Oui. Et donc, il me disait, oh, emmène-moi dans ta voiture. C'était un homme prodigieux. Hein. C'est un homme qui avait été dessinateur, humoriste. C'était, qui était rentré tard. Vers quel âge? À Trappe. 40 ans, 45 ans. Il y avait plein de vie. Et des souvenirs, visiblement, de la vie civile. Oui, aussi, c'est ça. Et on avait beaucoup communiqué, beaucoup. Bon. Et votre femme, vous l'avez rencontrée à quel moment? Alors, mon épouse, je l'ai rencontrée 6 mois après. D'accord. Le 4 janvier 68. Quelle au Palais mémoire, Royal. Ça doit lui faire plaisir. Ah ben, c'est un jour que nous fêtons tous les ans. Et qu'est-ce qui l'a séduit dans cette histoire? Dans votre histoire? Oh, c'est pas mon histoire qui l'a séduit, c'est moi. D'accord, mais enfin, on porte son histoire, on est ce qu'on a fait non? Oui, mais vous savez, au début, au contraire, on cherche un peu à ne pas ramener tout le temps les 7 ans de chartreuse. Cherche à réveiller le... Ben, non, mais simplement à vivre, il faut faire une nouvelle vie, il faut partir sur... C'est ça, non, mais vous entendre, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, et puis ça se confirme. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai un caractère optimiste. Oui. Et puis le fait qu'on m'ait dit non a fait que je ne me suis pas ni aigri, ni voulu chercher autre chose. Il y a des gens qui m'ont dit, mais alors il faut aller voir chez les carmes, puisque j'avais eu mais non, j'avais plus envie de rien du tout. J'avais plus envie du tout de la vie religieuse. Ah, c'est fou, ça. Mais j'avais envie de l'Église. Hein. Je ne suis pas sorti du tout de l'Église. Je suis resté, puisque comme mes vœux étaient terminés, donc j'étais libre, si vous voulez. C'est ça, la grande différence. Quand vous avez fait vos vœux solennels, vous êtes très coincé. Hein. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours resté un peu chartreux dans l'âme? Oui. Comment ça se manifeste? Eh bien, se permettre, dont je vous parlais, il a créé un petit ermitage dans le Rouergue, où il a quitté l'ordre avec 3 ou 4 autres pour créer quelque chose de plus pauvre, de plus solitaire. Et il m'autorise à venir le voir. Et je l'ai appelé hier soir pour lui dire que j'allais passer aujourd'hui. Il a 86 ans ou 8 ans, mais c'est un saint. Et je garde énormément d'amour pour lui. Sœur Marie-David, comment vous réagissez à ce qui a été dit jusqu'à présent? Je trouve que c'est très chouette ce qu'il dit. Ouais. Je trouve que c'est beau de vivre ça avec une grande sérénité, sans amertume, et sans apparemment se touiller le doigt dans les blessures, quoi. Sœur Marie-David, depuis combien de temps que vous appelez plus Geneviève? Depuis à peu près 5 ans. C'est vous qui avez choisi Marie-David?
Je l'ai choisi en collaboration avec ma prieure, qui est maîtresse et novice en même temps, oui. En fait, Pardon ? Pourquoi vous avez choisi ce Marie-David ? Moi, je voulais changer. Voilà, j'avais un prénom civil et j'avais envie de marquer le coup, si je peux dire, dans la vie monastique, de changer. De vous débaptiser, quoi ? Pas débaptiser, mais prendre, avoir un autre nom. Pourquoi ? Je trouvais ça important. Pourquoi ? Pour moi, je suis Geneviève pour ma famille et dans la vie monastique, je suis sœur Marie-David. Donc, vous êtes deux personnes différentes ? Non, je suis une même personne. Mais je trouvais ça important de changer de prénom, voilà. Ne serait-ce que pour, peut-être que ceux de votre famille n'aient pas à vous appeler ma sœur ou sœur ceci ou sœur cela. Peut-être. Pour garder des relations un peu simples, comment vous appelez les membres de votre famille ? Geneviève. Geneviève, donc comme votre prénom de naissance, oui. Ouais. Vous êtes entrée dans les ordres il y a 6 ans. Quand est-ce que vous êtes dit que vous alliez devenir moniale, vous ? Parce qu'on a entendu des appels parfois précoces, parfois plus tardifs. Vraiment moniale, ça c'est peut-être vers l'âge de 22-23 ans. Mais la vie religieuse, j'y pensais depuis bien plus longtemps. Quel âge ? Plus ou moins 5 ans. L'âge de 5 ans ou... Oui, l'âge de 5 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans ? Mais en fait, je viens d'une famille nombreuse et ils allaient tous partir à la messe de minuit. Et je voulais y aller, mais je n'avais pas encore tout à fait 5 ans. Donc maman m'a dit, c'est de la folie, tu vas t'endormir, reste dans ton lit, tu seras mieux là. Et j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir y aller. Et alors, elle m'a emmenée, ce qui devait arriver arriva, je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée, donc j'ai vu la crèche, là, l'enfant Jésus dedans, et j'ai compris Dieu est amour. Et s'il est vraiment amour, eh bien, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait. Ça m'a touchée très profondément, tellement profondément, je me dis que c'était pour moi quelque chose de très intime, que je ne pouvais pas parler avec mes frères et sœurs, je ne l'aurais jamais dit. Jusqu'à votre appel, jusqu'à l'âge de 20 et quelques, vous avez rien dit pendant une vingtaine d'années, quoi ? Oui, exactement. Parce que je sentais que c'est quelque chose qui devait mûrir, qui devait grandir en moi, et puis aussi peut-être pour garder une certaine liberté. Pour ne pas vous obliger à le faire, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a déclenché, finalement, cette vocation précoce qui a fait que vous êtes devenue véritablement moniale ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait progressivement ? Je dirais que c'est plutôt le fruit d'un cheminement, oui. Par exemple, voilà, quand j'étais adolescente, ça se posait dans ma tête. Mais je me disais, un jour, je sais clairement, je me suis dit, moi, je veux bien rentrer dans les ordres, mais à une condition. Si je vois au moins une sœur heureuse et souriante. Pardon pour toutes celles que j'ai rencontrées jusque-là, mais elles ne m'avaient pas du tout l'air souriante. Et je me disais, tant que je n'ai pas au moins vu une heureuse et souriante, non merci. Et alors ? Eh bien, il a fallu que j'en voie une un jour. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, donc, c'est possible d'être heureux dans cette voie-là. Et donc, ça a pu se remettre en marche. Comment vos parents ont-ils réagi face à cette décision qui, en faisant votre bonheur, allait les couper de vous ? Il y a eu deux réactions très différentes. Au départ, maman a été plutôt contre. Elle ne se l'explique pas elle-même. Je lui ai dit, est-ce que je peux dire archi-contre ? Elle a dit oui. Vraiment, archi-contre. Elle ne pouvait pas l'accepter. Et j'avais d'abord fait un stage dans une première communauté. Un stage découverte, si on peut dire. Si on peut, oui. Et puis, quand je lui ai dit maintenant, pour Hermeton, elle m'a dit, parce que je demande au téléphone sa réaction, justement, et elle a dit, là, j'ai tout de suite accepté. Elle ne me demande pas pourquoi. Moi-même, j'en sais rien, mais intérieurement, j'ai pu accepter. Et là, il n'y a eu aucun problème. Enfin, je veux dire, elle m'a laissé faire. Papa, lui, au contraire, c'était... je lui ai annoncé ça près d'un feu de bois, comme ça, à la maison. Et il m'a dit, écoute, ma fille, je te demande deux choses. La première, c'est que tu ne rentres pas par déception amoureuse. Ça, je ne veux pas que ce soit un choix pour ça. La deuxième chose, c'est que tu sois heureuse. Si tu n'es pas heureuse, tu fais tes valises. La porte de la maison, t'est toujours ouverte. C'est bien. Et je pense que c'est quelque part une grande liberté pour moi de pouvoir me dire, si je me trompe, je sais que je peux rentrer à la maison. Et si votre maman vous avait dit non définitivement et deux fois de suite ? Mais tant pis, c'est ma vie. Vous l'auriez fait quand même ? Oui. Ouais. Vous vivez depuis maintenant 6 ans au sein du monastère Notre-Dame d'Hermeton en Belgique, aux côtés de vos 21 sœurs, pour la plupart plus âgées que vous. Donc il vous a fallu un petit temps d'adaptation pour vous faire à cette vie très calme, avec laquelle vous vous sentez aujourd'hui en harmonie. Et vous allez enfin, d'ici quelques mois, confirmer votre vocation en prononçant ce qu'on appelle vos vœux définitifs. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et de Sonia Taourgui. Regardez-moi. On n'a pas pris de pain pour les chèvres. Il faut les appeler. Peut-être la sieste. Allez, Manon. Ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais ma veste en jean, c'était avec un grand Mickey dans le dos. Et je me suis dit, je vais voir jusqu'où les sœurs vont accepter, quoi, comme ça, que je me démarque. Une fois, je l'avais mise pour aller à l'office, exprès. Donc, j'étais dans la stade avec cet immense Mickey comme ça dans mon dos. Et puis, les sœurs, elles n'ont rien dit du tout. Hein. Elles ont été vraiment stoïques. Et puis, après, dans la journée, il y a une sœur qui vient me dire, écoute, on t'aime beaucoup, hein, mais prie avec un grand Mickey dans le dos quand même, c'est un peu trop. Oh, mon Dieu,
On peut prier avec un miquet sous les yeux, comme sans miquet sous les yeux, ça ne change pas grand-chose en fait. Mais par rapport à tout l'environnement, ça c'est plus délicat. Et puis, comme tu dis, les hôtes, ou des sœurs plus âgées, faut tenir compte de tout un ensemble. C'est ça qui est quand même tout un apprentissage, que jamais fini du reste. Apprendre à épouser la vie du monastère, sœur Marie-David s'y applique tous les jours depuis 6 ans, y compris lorsqu'elle travaille seule dans le jardin. Pour moi, c'est une chance de pouvoir travailler au jardin. D'abord parce que j'aime beaucoup la nature, que le travail manuel comme ça, très concret, je trouve ça important. Et puis je trouve que le jardin, c'est plein de symboles. Par exemple, on entend souvent parler des vices, des mauvaises choses qui nous habitent. Et je me dis, en fait, l'homme, c'est un peu comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, vous êtes envahi de mauvaises herbes. Alors, si je fais un travail trop superficiel, voilà, je peux juste dégager ma terre. Mais si je n'ai pas enlevé la mauvaise herbe à sa racine, eh bien, ça sert à rien. Je l'aurais recoupée, mais elle va revenir. Et je pense que dans ma vie, c'est la même chose. Si je n'ai pas été au fond des choses, une chose mauvaise qui m'habite, si je n'ai pas été jusqu'à la racine, cette chose, inévitablement, elle va revenir. C'est la première fois que je suis rentrée dans cette pièce, donc la prieure me faisait le tour du monastère. Elle est rentrée. Puis elle s'est tournée comme ça en disant, là, tu peux voir toute la bibliothèque, tous les livres que nous avons, les sorts de livres. Mais moi, j'ai tout de suite été attirée par les bandes dessinées. Il n'y avait pas encore le grand bureau, donc je les voyais et je suis plongée dessus pour regarder comme ça tout de suite qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant. Puis la pauvre, quand elle s'est retournée, qu'elle a vu que je ne la suivais pas du tout, elle a dit, c'est là que tu es, ça t'intéresse. Je dis, ah oui, si, y a ça, alors c'est bon signe. 150 169 kilotonnes de gaz. C'est la quantité de gaz à effet de serre rejetée en 2001 par la Belgique dans l'atmosphère. Quand on sait qu'en 1990, cette même pollution atteignait 141 216 kilotonnes et que notre pays s'est engagé à la réduire de 7,5%. Tous les jours, le repas de midi commence toujours par la lecture. Donc on commence par la règle de Saint-Benoît, puis le journal. Donc on a 2-3 journaux différents. Et puis après, un livre en continu. Ouais. Et le soir, là, c'est soit silence ou soit de la musique. Ouais, c'est évident, quand on choisit comme ça la vie religieuse, eh bien, on doit faire des renoncements. Par exemple, le renoncement d'être épouse et le renoncement d'être mère de famille. Et ce renoncement-là, il faut apprendre aussi à l'assumer. Puis je crois que si je ne devais pas être ici aujourd'hui, ben le Seigneur, il est assez malin pour s'arranger et il m'aurait mis quelqu'un de super chouette dans les bras. Et puis voilà, aujourd'hui, je serais peut-être mère de famille à mon tour et très épanouie. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit où on est très seul. C'est rare que je rencontre une autre sœur quand je viens là. J'aime bien parce qu'elle est en pleine nature, je trouve ça assez joli comme cadre. Et puis avec son nom aussi, la Notre-Dame des courants d'air, je trouve ça bien quand j'ai une colère qui m'habite ou un souci. Je viens ici et comme le nom le dit, quand le vent vient et balaye tout, et puis on repart tout paisible. Ça c'est très chouette, je trouve. Sœur Marie-David reçoit régulièrement des visites de sa famille et notamment de son frère Michel qui, tout en respectant son choix, n'arrive pas à l'appeler par son nouveau prénom et se tient prêt pour le cas où elle déciderait de quitter le monastère. Je crois que Geneviève, que tu seras d'accord avec moi, que nos parents sont quand même des chrétiens, sans être bigots, ils ne sont pas, ils nous ont jamais obligés à suivre le parfait rituel du petit chrétien, si on peut dire comme ça, mais ils ne nous ont jamais donné une éducation en disant « l'un de nous devra rentrer dans les ordres ». Et c'est même plutôt une crainte de ma chère mère, de dire « bon ben, les curés c'est très bien, les nonnes c'est très bien, mais enfin, pour les autres, pas pour mes enfants ». Tu peux ne pas être d'accord, mais moi j'ai ma vie à vivre, à construire, et donc tant pis, si elle n'est pas d'accord, le temps on fera ce qu'il faut. Et souviens-toi, il y a un moment je te dis « si ça t'embête, ton couvent, on vient, on te kidnappe, hop, on te ramène. Et financièrement, il y aura une cagnotte qui t'attendra, on la trouvera bien. Ça doit rester un vrai choix. C'est très chouette de pouvoir me dire, ben voilà, je peux téléphoner à Michel. Michel, voilà, j'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux te dépanner X temps? Ce ne sera pas pour moi devoir me dire, aïe, il va falloir que je reste parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Et ça, c'est, chez moi, c'est pour moi une garantie de liberté et peut-être une sécurité aussi. L'ordre de la vie monastique est parfois troublé par le monde extérieur. C'est le cas aujourd'hui avec l'arrivée du fournisseur qui apporte sa commande. Sœur Marie-David est seconde à la cuisine. C'est à elle qu'incombe la réception des marchandises. C'est le reste du fruit. Avec les petits cartons aussi. Quand je suis arrivée, je n'avais plus aucune responsabilité. Dans un premier temps, c'était pas évident pour moi de venir le matin. Je me lève, je sais même pas ce que je vais faire de ma journée. Je dois attendre qu'on me dise. Puis maintenant, ça fait quand même 6 ans que je suis là, donc les responsabilités arrivent tout doucement. Mais je ne suis pas première responsable. Pour ça, il faut avoir fait sa profession définitive. Ça fait quoi de sortir avec votre habit hors du monastère? Moi, ça me fait rien du tout. Je trouve que c'est plutôt cohérent avec la vie que j'ai pris, puisque je porte l'habit à l'intérieur, je vois pas pourquoi l'enlever quand je sors. Je suis moi-même, maintenant je suis dans la vie religieuse, donc je trouve que c'est aussi un témoignage de le porter quand on sort. C'est déjà arrivé, par exemple, certains enfants ils savent pas trop, alors soit ils demandent à leurs parents, tiens, c'est une musulmane, ou bien, maman regarde, j'ai vu une sorcière, ça, ça arrive. Une fois, ça c'était un adulte en vélo qui s'est retourné et qui m'a crié pinguine, ça veut dire pingouin en flamand. J'avoue que je ne l'ai quand même pas appris très très bien, je suis un peu fâchée même. Et un jour aussi, on était dans la rue, on était 2-3 sœurs, et il y avait des personnes à une terrasse dans un café, et qui nous ont crié « Tiens, c'est le carnaval aujourd'hui, on n'était pas au courant ». Mais en même temps, je crois que c'est pas mal de faire ce genre d'expérience, parce que sinon on est dans un milieu trop protégé, on risquerait de ne plus se poser de questions. Sœur Marie-David doit prononcer ses vœux perpétuels d'ici quelques mois. Même si elle a dû se couler dans le moule, elle n'a pas l'impression pour autant d'avoir perdu sa spontanéité. Si j'ai changé, c'est plutôt dans le sens où je suis devenue de plus en plus moi-même. Et je pense que cet aspect-là est important, et d'ailleurs j'y tiens assez fort. C'est pourquoi j'hésite pas à dire régulièrement à mes frères ou à mes sœurs, si vous voyez que je tourne en bonne sœur, surtout vous me faites signe et vous m'arrêtez. Parce que ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous appelez tourner bonne sœur? Pour moi, une bonne sœur, c'est confondre le Seigneur avec des bondieuseries. Ah oui. C'est rentrer dans un moule et plus du tout être soi-même, mais essayer d'être apparaître quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Vous en avez déjà croisé? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie monacale? C'est que je la trouve très équilibrée. Donc, Saint-Benoît, sa fameuse phrase, c'est « ora et labora », donc prière et travail. Et ça, je trouve, dans le monastère où je suis, que c'est très, très équilibré entre le temps de prière, le temps de travail. Aussi, il y a la récréation, qui est important, des temps communautaires forts. Si vous faites à la récré? Ça dépend. Par exemple, si c'est l'été, qu'il y a beaucoup de légumes au jardin, on peut faire quelques légumes. Mais on peut aussi être simplement être là, assises, toutes ensemble, et puis à parler. Par exemple, hier soir, on a annoncé que je venais ici. Eh bien voilà, on en a parlé. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit? Ah ben, c'était super, parce que les sœurs, elles me soutiennent. Elles me disent, oh, fais ça bien, n'aie pas le tract, tu verras, on pensera tout à toi. Enfin, ouais. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous convient le moins dans votre vie monacale? Le moins? C'est que je ne peux pas chanter dans ma cellule. En tout cas, pas chanter trop fort, parce que nous avons une très mauvaise sonorisation et ça risque de déranger la voisine. Et vous avez bien chanté? Oui. Oui. Ça a d'ailleurs été assez étonnant quand vous êtes arrivé au monastère. Vous étiez une fan de hard rock. Fan, c'est un grand mot, mais j'en écoutais bien quand même. En tout cas. Oui, j'en écoutais un peu, oui. Il a fallu vous déshabituer de ça, mais on vous a permis de vous y déshabituer dans le monastère. Tout à fait, oui. De quelle façon? Mais en fait, avant d'entrer, j'étais aussi peintre d'icônes. Et donc, c'était pour pouvoir continuer, on m'a donné un petit local. Dans une tour du monastère. Et là, je pouvais aller peindre quand je voulais. Mais c'est comme c'est un local qui est bien isolé, on m'a aussi dit, parce que moi, je disais de temps en temps, j'ai besoin d'écouter de la musique. Donc on m'a dit, si tu as besoin d'en écouter, tu vas là-bas. Et voilà, tu peux être sûr que tu ne dérangeras personne. Marie, est-ce que vous avez essayé de dissuader votre fille de devenir nonne? La première fois qu'elle m'en a parlé, alors qu'elle avait 21 ans, oui, oui je lui ai fait promettre que, de partir, parce qu'elle voulait partir, mais que si elle avait un regret quelconque, si elle sentait qu'elle s'était trompée, elle me donnait sa parole qu'elle revenait à la maison sans problème, sans... Et elle m'a promis. Donc, bon, là. Mais quand elle s'est engagée vraiment à 31 ans, plus tard, oui, qu'elle est partie, non.
enfin, elle savait que j'étais dans les mêmes dispositions ouais. Et que je voulais la même chose que ce que je lui avais dit. Bon, elle est entrée depuis, ça fait quelques années déjà. Ça fait 11 ans. 11 ans, à quel rythme vous la voyez, votre fille? Je la vois toutes les semaines, ah, oui, ou deux fois. Vous êtes partie vous installer en Corse alors? Voilà, depuis le mois d'octobre. Oui. Pour elle, vous êtes partie vous installer? Un peu pour elle, mais enfin, surtout pour mes petits-enfants. Oui, puis la Corse, c'est pas désagréable. Oui. Voilà, que je ne voyais pas grandir, donc... Une fois par semaine, c'est fréquent, alors comment se déroule vos rencontres? Je la vois tous les dimanches. Le dimanche, avec mon mari, nous sortons avec les enfants. Nous allons pique-niquer avec mes autres filles et mes petits-enfants. Et puis, lorsque nous rentrons, nous nous arrêtons au monastère, avec les filles ou sans les filles, mon mari et moi. Et nous restons une heure, deux, avec elles. Ça dépend l'heure à laquelle nous sommes arrivés, puisqu'à 6h moins le quart, elle sonne vêpres. Donc, à partir de là, je la laisse. Mais on y va à 3h30, 4h, si c'est... En toute liberté, vous discutez avec les unes, les autres? Voilà, même on reste qu'avec elles, dans le parloir quand il fait mauvais temps, dehors quand il fait beau temps, comme dimanche dernier, par exemple. Et vous trouvez toujours quelque chose à vous dire quand on ne se voit plus, comme ah ça, oui, à dire? Ah oui, non, mais on a plus de, choses à dire à des gens qu'on connaît bien, généralement. Oui, c'est vrai. Mais je crois que pour empêcher ma fille et moi de parler, oui, ce serait très difficile. Très, très difficile. Ça fait rire l'autre. Parce que je crois que ce serait très, très difficile de nous empêcher de parler. Ah oui. Voilà, ma fille, actuellement. D'accord. Elle a mon petit-fils, elle a son neveu dans les mois. Elle a l'air super heureuse. Hein. Enfin, elle a l'air heureuse, oui, alors que vous dites qu'elle n'est pas épanouie, vous. Là, oui. Mais non. Là, il y a 5 ou 6 ans. Non, je trouve que depuis quelque temps, disons, elle est anxieuse. Enfin, elle a une inquiétude, je ne sais pas laquelle. Peut-être parce que le monastère... n'a plus que des religieuses très âgées et que peut-être elle se demande le jour où il va fermer ce qu'elle va faire, où elle va aller, puisque c'est surtout le monastère au départ, je crois, qui l'a attirée. Peut-être c'est ça, tout simplement. Mais je ne la sens pas comme elle était justement là, avant de prononcer ses voeux. D'ailleurs, là, elle oui, les avait pas... Oui, parce qu'elle a le voile blanc. Elle a le voile blanc. Maintenant, elle a un voile noir. Quel regard vous portez sur l'appel qu'elle a reçu? Je trouve que c'est très orgueilleux de dire qu'on a été appelé, qu'on a été élu. Je trouve qu'on peut être très attiré par Dieu. Et puis, le fait de dire, bon, c'est vrai, je veux y aller. Je l'aime, je crois et tout. Mais dire, il m'a choisi, je trouve que c'est un peu de l'orgueil. C'est mon avis personnel. Hein. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil à se dire qu'on a été choisi par Dieu? Je crois qu'il faut relativiser la valeur d'un moine. La valeur d'un moine, c'est pas un surhomme. C'est quelqu'un qui est appelé à quelque chose, c'est vrai, qui est peu naturel. Mais il reçoit des grâces, donc il n'y a aucune notion de mérite à donner. Mais pourquoi on dit qui est appelé plutôt que bah qui a choisi? Dans mon cas, j'ai choisi de répondre. Voilà. On choisit, je pense qu'on est appelé. Vocation, ça vient de vocaret qui veut dire appelé. Je pas la grâce, je dirais, de le comprendre. Je crois que c'est ça. Vous pensez que votre sœur a la grâce de l'avoir compris? Ah oui, moi, je l'admire et je l'envie, oui. Je crois, comme disait... Alix, c'est que tout le monde est appelé, mais je crois que pas tout le monde ne le comprend. Donc à l'inverse de maman, je ne pense pas que ce soit orgueilleux de croire qu'on est appelé. Je crois que c'est une grâce d'avoir compris et d'avoir ressenti cet appel. C'est ce que vous dites à votre sœur quand vous la voyez aussi le dimanche? Oui, avec ma sœur, on ne parle pas trop de ça. Elle sait ma position quant à son choix. Favorable. Tout à fait. D'ailleurs, c'est elle qui a proposé que je vienne témoigner pour elle, sachant que ce que maman allait dire contre elle. Ah oui, d'accord. Mais non, je ne suis pas là pour lui ça servir d'avocat. Ça va, entre vous, mais... ou entre vous deux, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien parce qu'on n'en parle pas. Dès qu'on commence à en parler, ça ne va plus. Dès qu'on commence à en parler, maintenant, moi, mais je pleure. Alors, bon, on n'en parle pas. D'ailleurs, je l'ai prévenu, tu ne pleures pas sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez de la vie que votre fille a choisie? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas. Je trouve que ce n'est pas une vie normale, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, pour toi, une vie normale, c'est de se marier, d'avoir des enfants comme tu as fait. Mais moi, ce n'est pas une vie normale. Moi, ma vie, je ne me sens bien que lorsque je suis là-bas. Là-bas, c'était le monastère, le jour où on m'a parlé. Elle me dit, je ne suis bien que là-bas. Et voilà, je suis tranquille, je suis en paix. Pourquoi vous nous avez dit que c'était, selon vous, une vie inutile? Parce qu'elle est infirmière. Et lorsque nous étions en Afrique, nous allions souvent visiter une léproserie. Et j'étais en admiration devant les religieuses qui s'occupaient des lépreux. Et elle me disait, tu vois, ça me plairait quand je serai grande, si je suis infirmière, de venir m'occuper des lépreux. Je ne dis pas que j'aurais mieux admis, mais j'aurais mieux compris si elle m'avait dit, je pars avec sœur Emmanuelle, avec sœur Teresa, m'occuper des pauvres, m'occuper des malades. Pour vous, ça, c'est utile. Ça a un sens. Voilà. Mais là, d'abord, c'était contemplatif, donc toute la journée... Elle ne comprend pas.
Elle ne comprend pas l'ordre contemplatif. Non, voilà. Et toute la journée, prier, bien sûr, pour elle, pour tout ce qui... C'est énorme, mais pour moi, c'était un peu perdu. C'était un peu du gaspillage. Rentabilité. Oui, non. Ah, pas du tout. Je trouvais qu'elle se serait mieux épanouie dans le métier qu'elle aimait et en faisant en même temps quelque chose. Mais vous écoutez, c'est presque égoïste en même temps. Quoi. Je veux dire, c'est une démarche qui n'est pas tournée vers ses frères et ses sœurs, c'est une démarche qui est tournée vers l'absolu, quoi, renvoie à soi-même. C'est ça que vous ressentez? Oui. Quelque chose d'égoïste à se dire je me sens bien là et tant pis si je suis inutile à la société. Quoi. Mais elle me dit, mais je sers là. Hein, elle me dit, je suis là. Je me sens bien là. Et il est très probable qu'il y a beaucoup de moments où elle ne se sent pas tellement bien et qu'elle a, comme tout le monde, ses difficultés. Et elle les surmonte. Certainement. C'est ça le sens de la prière aussi. C'est oui. Non, puis madame disait même qu'elle était inquiète pour sa fille, qu'elle trouvait inquiète. Et vous trouvez qu'elle a changé ces derniers temps? Non, c'est-à-dire que le moindre problème que présente ma sœur, maman imagine toujours et en espérant. Imagine ou espère, oui, c'est ça. Les deux. Elle imagine et elle espère que ce soit dû au fait que subitement elle se rende compte qu'elle n'était pas faite pour ça et qu'elle soit prête à partir. Voilà. Maman attend ça tous les jours. Elle est inquiète, ça me rassure. Voilà, exactement. Est-ce que vous vous êtes demandé quand elle est entrée au monastère si elle avait pris cette décision pour des mauvaises raisons? Alors, par dépit amoureux, par exemple. Alors là, si elle était là, elle ferait vraiment une crise de colère, parce qu'elle est très coléreuse. Ah bon? Et oui. Elle, oui. Alors vous qui êtes là à sa place... Ben voilà, elle ne comprend pas qu'on puisse dire qu'on rentre chez des religieux, n'importe lesquels, par déception amoureuse. Que c'est quoi, elle ne supporte pas qu'on puisse le supposer, le penser. Elle dit que on invente ça pour trouver des excuses. On ne rentre pas par déception. C'est ce qu'elle dit. De toute façon, on ne tiendrait pas longtemps, je pense. Si on rentre par dépit, on ne tiendrait pas longtemps. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que si on rentrait par déception, au bout d'un certain temps, on ferait marche arrière. Et vous en pensez quoi, vous, au fond? Non, moi, je suis sûre qu'elle n'est pas rentrée par déception amoureuse. Ah bon? Ça, non. Je pense que peut-être elle a eu un tas de petits soucis à un moment donné. Qui sont additionnels? Voilà, qui ont fait un gros souci. Moi, c'est ce que je pense. Elle me dit non. Ah, donc vous pensez qu'il y a une fuite, alors peut-être? Voilà, et elle me dit non. Elle me dit, c'est ce que tu as imaginé, ça, dans le fond, ça t'a arrangé un peu. Voilà. Mais vous n'imaginez pas qu'il y a du positif, que ça correspond à quelque chose, qu'elle vit avec quelqu'un, que... Avec quelqu'un? On dirait que... Bah, avec le Christ, oui, oui, Daniel, oui. Oui. Il faut le partager, lui. Bah. Je suis très croyante, mais je suis très cartésienne. C'est-à-dire que moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais d'une façon très spéciale, c'est un ami à qui je me confie, à qui je demande pas mal de trucs, d'ailleurs, qui ne me donne pas toujours, obligatoirement. Mais... Elle le fait à plein temps, si vous voulez. Oui. Elle ne la met pas en tant que gendre. Voilà. C'est joli, on dit. Je crois qu'elle a raison. Madame a parfaitement raison. Ah. Parce que Jésus n'est pas mon mari. Il ne sera pas mon mari. Voilà. Je crois qu'il y a une grande distinction à faire. Souvent, on compare la vie monastique ou la vie religieuse avec un mariage avec Dieu. Ah, moi, je suis désolée, Dieu n'est pas mon beau-père et la Vierge n'est pas ma belle-mère. Non, absolument pas. Il faut être clair là-dessus. Mais on choisit quelqu'un, on choisit de suivre quelqu'un. Suivre. Ce quelqu'un est une personne. Oui. On le suit, mais on ne se marie pas avec. Comment s'est passée la prise d'habit de votre fille? C'est comme un mariage, enfin, je veux dire, toute chose égale par ailleurs. Non, c'est pas un mariage du tout. Non, c'est censé être festif, en tout cas. C'est un grand moment de bonheur. Oh. Non, je suis pas d'accord, non. Enfin, pour moi, ça a été horriblement triste de la voir par terre, allongée. Bon, moi, j'ai pris mes précautions, donc j'ai pleuré. J'ai bien pleuré pendant toute la cérémonie. Mon mari, lui, n'a pas pleuré. En sortant, il a fait un ennui cardiaque. Il a fallu appeler le médecin, mais enfin, ça mise à part. Il en avait trop sur le cœur, c'était pas bien. Et oui, lui, il n'a pas voulu pleurer. Il s'est retenu. Et vous pleuriez à chaud de larmes? Ah oui, absolument. Je n'étais pas la seule. Moi, j'ai trouvé que c'était très émouvant, mais pas du tout triste. Hein. Mais enfin, j'étais déjà prête pour que ce soit triste. Hein. Voilà. Je suis pas allée. Elle était conditionnée. Voilà. Et votre fille vous a semblé heureuse ce jour-là? Ah oui, absolument. Ce jour-là, absolument. Et depuis moins, mais là... Elle était métamorphosée, disons. D'accord. Non, ce jour-là, absolument. Véronique, vous êtes devenue sœur à l'âge de 20 ans. Vous pensiez que c'était pour la vie? Bien sûr. Oui. Votre prise d'habit à vous, enfin, quand on parle de tout ça, la cérémonie, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est heureux, est-ce que c'est un mariage Donc là, vraiment la prise d'habit, hein, donc quand on passe de l'habit civil à l'habit monastique, c'est très heureux, évidemment. Enfin, moi, j'étais très contente, c'est ça que je voulais. Donc... Est-ce que vous avez hésité jusqu'au dernier moment? À la prise d'habit, non. Non, pas du tout. Non. Mais avant la prise d'habit, je veux dire, toute cette période avant, est-ce qu'il y a eu des jours oui, des jours non? Oui, assez vite après être entrée, donc j'étais postulante, donc j'étais en civil dans la communauté et
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. J'ai fait une bêtise. Et ça faisait à peine 3 semaines que j'étais arrivée et je ne me suis pas vue retourner dans ma famille pour dire, bah non, finalement... J'étais un peu prise au piège de mon entrée. J'avais 20 ans, je suis entrée quand même assez... Enfin, il s'est passé que 3 mois entre le moment où j'ai connu la communauté et le moment où j'y suis entrée. Donc, j'avais ma fierté, quoi. Donc, ouais, donc vous ne pouvez pas repartir en arrière, refaire le chemin à l'envers, comme dire l'autre. D'accord. Parlons de votre sortie, après 14 ans cloîtrés, vous avez connu donc, la vie en couvent, vous n'êtes pas sortie très heureuse dans ce couvent. Non. Est-ce que vous avez demandé conseil à certaines de vos sœurs? Je vous posais la question rapidement au début de l'émission. Quand vous disiez, c'est peut-être pas une vie qui est faite pour moi. Oui, je me suis adressée à la prieure de la communauté. À la mère prieure? Oui. En demandant quoi précisément? Ben, je lui ai dit, je me demande si j'ai fait un bon choix, peut-être que ce serait bien que je parte. Et donc, c'est là qu'on m'a dit, mais ça, c'est le démon. Donc, moi, je me suis empressée de chasser cette vilaine pensée de mon esprit, quoi. C'était une vie stricte qui ressemble à ce qu'on a vu dans le reportage? Oui, encore plus solitaire, oui. Plus solitaire et plus silencieux, même, que la vie cistercienne. Ou... Plus silencieux encore que... Ben, les sœurs sont en ermitage, si possible, ou enfin, en tout cas en cellule. Ça s'approche assez de la vie cartusienne, enfin, des chartreux. C'est-à-dire que beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude, oui, les repas toute seule en solitude, etc. Et beaucoup de silence. Beaucoup de silence. Enfin, ça, c'est pas ça qui me... Même la semaine. Les repas, même pas en silence, les repas seuls. Oui, les repas seuls, oui. C'est pas ça qui m'a le plus éprouvé, mais par contre, la coupure avec le monde, le fait d'avoir quasiment pas d'informations, on avait des coupures de journaux, donc des informations triées. Ça, c'était très, très dur. Et puis. Oui. Et puis, bon, c'est cette incohérence que je constatais avec laquelle je ne pouvais pas être d'accord. Quoi. Oui. Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre, au fond, quand vous faites l'addition de toutes ces années, 14 années, c'est pas rien. Le plus dur à vivre, le fait que je sentais que j'allais dans le mur, quoi. Je ne voyais pas une vie qui s'ouvrait à moi, je sentais que plus j'avançais, plus j'allais dans un cul-de-sac. Et pourquoi vous ressentez ça? Eh bien, je voulais vivre l'Évangile, je voulais vivre des relations fraternelles franches, où on dit ce qu'on pense, où il y a la place pour la diversité, et il n'y avait pas ça dans la communauté. Donc, c'était pas franc, il n'y avait pas ces discussions, c'était trop monotone. Il fallait se conformer, quoi. Se conformer dans son attitude, se conformer dans son discours. Donc pas de diversité, alors? Non, pas du tout. Vous parlez de manipulation mentale, vous allez assez loin, mais est-ce que c'est pas simplement la mère prieure qui essaie de vous rassurer avec, en agitant des démons et quelques mots simples dans des moments d'errance que peuvent connaître tout moine ou toute moniale? Est-ce que c'est vraiment de la manipulation? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, j'ai quand même, depuis que je suis sortie, j'ai bien réfléchi à ce que j'avais vécu, à ce que d'autres ont vécu. Vous voulez que je vous explique pourquoi je parle de ça? De manipulation, volontiers. Oui, il y a en toute personne ce qu'on appelle la voie de la conscience, et c'est ce qui aide de chaque personne à conduire sa vie de manière la plus droite possible. Or, si vous arrivez à convaincre une personne que la voie de sa conscience est en fait la voie de son vieil homme, c'est-à-dire la voie du péché, voire même la voie du démon, si vous arrivez à la convaincre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de cette personne. Parce qu'à ce moment-là, on substitue la voix de sa conscience à une autre parole. Et donc, il n'a plus de conscience. Voilà. Et donc, vous n'aviez plus de conscience. Moi, il y a eu toute une période de ma vie où je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais. Ce qui venait de moi, on me disait, ben non, ça, c'est le démon. Donc, vous avez perdu tout libre arbitre, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'a pu ressentir cette personne? Oui. Oui, ça, je crois que c'est le discernement, enfin, c'est le problème de chaque communauté aussi. Il y a peut-être des maladresses, il y a peut-être du fanatisme religieux, parce qu'il y a, bien sûr, il est partout. Et voilà, et ça, l'interdit, ça peut être une conséquence. Ouais. L'interdit de la diversité de pensée, ça c'est... Ah non, ça c'est grave, ça. Ça c'est grave. C'est complètement... ça n'a rien de chrétien, ça. Ouais. Donc c'était lié à la personnalité de la mère prieure, dans ce cas-là? Oui, ben là, il faudrait reprendre toute l'histoire. Oui, d'accord, mais ce serait évidemment trop long. Mais vous pensez que c'est lié à la personnalité d'une femme ou c'est... Oui, absolument. Ah, oui, de la personne qui a initié cette communauté. Oui. Après 14 ans, comment vous êtes partie? La prieure générale m'avait dit, pour les graves questions qui occupent ton cœur, il faut que tu rencontres un certain prêtre qui faisait partie de la communauté, ce qui est aussi des frères. Bon. Et en fait, ce prêtre a été tellement odieux avec moi parce qu'il m'a dit « Mais vous n'avez rien compris à la vie monastique, il faut que vous recommenciez tout. » À zéro. Voilà. Il faut recommencer votre noviciat. Au bout de 14 ans. Voilà.
Et ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui lui a fait penser? Mais heureuse goutte, parce que bon, ouais. C'était pas possible. Là, j'ai dit, je pars. Donc, il y a eu vraiment un avant et un après, un déclic. Et à partir de ce moment-là, les sœurs pouvaient me dire tout ce qu'elles voulaient, essayer de m'amadouer ou ça. Ça, c'était fini. J'étais libérée de l'emprise que j'avais subie dans cette communauté. Vous avez rendu votre habit? Voilà. Comme on rend sa plaque et, voilà. Et son flingue dans les films policiers. Oui. J'ai demandé de l'argent nécessaire pour m'acheter des... Donc, je suis allée habillée en sœur acheter des vêtements laïcs parce que je voulais absolument laisser les habits au monastère. Et voilà. Et vous êtes partie? Et je suis partie. Avec quoi dans les poches? Un petit peu d'argent de poche et les habits que j'avais sur moi. C'est tout? C'est tout. Et qu'est-ce que la mère prieure a dit aux autres sœurs pour expliquer votre départ? Eh bien, elle leur a dit que j'allais dans un autre monastère, ce qui est un mensonge pas tant, bien sûr. Et vous n'avez pas pu le dire aux autres que vous partiez? Ça, c'est quelque chose que je regrette. Je n'ai pas eu le courage d'interrompre et de dire, bah, écoutez, la sœur vient de vous dire ça, mais en fait, je pars. Je n'ai pas eu le courage. Ah, c'était devant vous, pourtant? Oui, c'était devant moi. Vous auriez pu le dire, quoi? Ouais. Oui. Quand un frère ou une sœur quitte l'ordre, ça vous est déjà arrivé? Ça arrive. Enfin, souvent, c'est avant la profession, comme monsieur, avant la profession définitive. Normalement, moi aussi. Si vous voulez, dans un noviciat de 5 ans, périodiquement, il y a quelqu'un qui s'en va. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont rentrés, qui ont essayé d'être chartreux 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui partaient progressivement. Sœur Béatrice, est-ce qu'on dit la vérité dans ces cas-là ou est-ce qu'on peut on la cache? Ah ben dans ce cas, de toute manière, à partir du moment où quelqu'un a fait un cheminement avec nous et puis s'aperçoit dans ce cheminement que... Ben, non, vraiment, c'est pas sa place. Pas sa route, ouais. Hein, c'est pas là vraiment que le Seigneur l'appelle et qu'il sera heureux. Bien, c'est clair. Il faut Et quand précisément, il n'y a pas d'engagement définitif de prix, comme monsieur nous disait, ben c'est une étape difficile, mais c'est clair, mais c'est pas grave, normale. C'est possible. C'est normal, c'est un temps de discernement. Hein, comme, par exemple, Sœur Marie David, actuellement, tant qu'on n'a pas fait profession définitive, c'est un temps de discernement, donc ça fait partie du parcours. C'est une possibilité dans le parcours. D'accord. Moi, je crois que c'est même, ça va peut-être paraître paradoxal, je crois que c'est un signe de santé dans une communauté quand certaines personnes s'en vont. Si elles restent toutes, il y a quand même un problème. Oui, on peut se dire que c'est une prison, quoi. Mais voilà, on vous poussait, Véronique, à faire vos vœux? On vous poussait à faire vos vœux définitifs? On m'y a poussé dans le sens où une prieure m'avait dit, le jour où tu feras profession perpétuelle, tu n'auras plus de combat. Ah oui. Donc moi, ça me poussait à demander, et j'ai demandé à faire profession. On dit que c'est plutôt le contraire, mais enfin là, je ne suis pas compétent. Ah bon? Mais... Sœur Béatrice? C'est vrai que, en fait, les moments les plus difficiles viennent certainement après la profession définitive, parce que tant qu'on est dans la période de formation, en fait, on est tendu vers cette étape de l'engagement définitif. Mais c'est important, précisément, dans ce temps-là, qu'il y ait un vrai discernement éclairé, hein, de manière à vraiment s'engager en connaissance de cause. Mais les moments plus difficiles, enfin moi personnellement, sont venus après. Mais ça a été des moments difficiles, mais le choix que j'avais fait, vraiment le choix de suivre le Christ, ça a tenu. Ça a tenu et ça n'a pas tenu parce que j'étais engagée et puis que je ne pouvais pas faire marche arrière. Hein. C'était vraiment un choix profond que j'avais fait. Et je savais que bon, il pouvait avoir un moment difficile, hein, mais que ça ne remettait pas du tout en cause et que le sens profond de ma vie, on est 30 dans la communauté et d'autres ont vécu ce même chemin, quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont partis après avoir prononcé leur vœu définitif? Oui. Vous en avez déjà vu? Peu, mais j'en ai vu, oui. C'est dur pour elle? Toujours. Et pour le reste de la communauté? Aussi. Véronique, ça fait maintenant 7 ans que vous vivez en dehors du monastère. Est-ce que vous avez le sentiment de rattraper du temps perdu ou est-ce Oui. Bah oui, parce que je pense que je m'en sors bien quand même, parce que j'ai un travail, j'ai fait des études. Parce que donc, comme je suis entrée à 20 ans, je n'avais pas fait d'études, je n'avais pas travaillé, et j'ai rattrapé tout ce temps, oui. Donc vous avez appris à vous insérer dans la société, voilà, à vivre de manière autonome. Oui, oui. Vous êtes toujours croyante? Oui. Comment vous vivez votre foi aujourd'hui? Ben, je participe à la vie de ma paroisse, je rends les services que je peux rendre. Et puis, personnellement, j'ai en fait retrouvé après ma sortie, pas tout de suite, hein, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais j'ai retrouvé finalement cet appel que j'avais entendu à 15 ans. Et je cherche à y répondre. On disait, on choisit d'y répondre, ben, je cherche à y répondre aujourd'hui, tout en étant laïque. Je m'oriente vers une vie de laïque consacrée. Donc, oui. Vous respectez des vœux? Voilà. Lesquels? Les 3 vœux, comme pour les religieux.
Chasteté. Chasteté, obéissance, pauvreté. Alors, mais adapté à la condition de laïque. Alors, chasteté, adapté à la condition de laïque, c'est quoi? Ah bah, c'est le célibat pour Dieu. D'accord, donc c'est pas, donc de, c'est relation, pas de relation avec les hommes, c'est la vraie. Voilà. L'obéissance. Bah, l'obéissance, c'est l'obéissance. C'est le premier qui rouspète, et vous êtes d'accord? Non, pour le coup, c'est l'obéissance justement à la voix de la conscience et à Dieu, enfin l'Esprit Saint, dans un dialogue avec un accompagnateur spirituel. D'accord. Et puis aussi, avec un, bon, quand on est laïc consacré, je ne le suis pas encore officiellement, mais c'est à l'intérieur d'un institut, et donc il y a d'autres personnes qui... Voilà, et donc c'est toujours dans un dialogue. Et puis c'est aussi les événements, la vie... Et la pauvreté, le troisième, c'est-à-dire que la pauvreté, quand vous avez de l'argent, vous le donnez aux autres, quand vous avez trop... Oui, c'est gérer d'une manière ajustée l'argent que je gagne. Bon. Père Bazier, je voudrais que vous nous parliez de la vision que vous avez eue à l'âge de 27-28 ans, proche d'une NDE, comme on dit aujourd'hui. Near-death experience, quoi. Oui. Voilà. Ouais. C'était en pleine nuit, vous étiez à l'époque publicitaire, célibataire, parisien, vous aviez une vie très agréable. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette nuit-là? Alors cette nuit-là, oui, en effet, cette nuit-là, ma vie a vraiment basculé. Mes valeurs, le lendemain, n'étaient plus les mêmes. Et toute mon existence a été profondément modifiée par rapport à ce que j'étais avant et ce que je suis devenu ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, je pense, avec des mots simples, parce que c'est très... Qu'est-ce que vous avez vu, alors, peut-être? C'est très difficile à raconter. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, on essaie de rationaliser ce genre de choses d'abord, évidemment. En fait, j'ai essayé de me... Bon, j'avais du travail, justement, assez important à faire le lendemain, donc j'ai essayé de chercher le sommeil, parce que je n'avais pas spécialement sommeil, mais il fallait que je dorme pour pouvoir travailler le lendemain. Donc, je me suis allongé sur mon lit, j'étais seul. Et puis, j'ai cherché le sommeil par une simple relaxation, simplement, justement, en évitant de le chercher quelque part. Et puis là, dans la pièce, dans ma chambre, donc, il y a eu une espèce de... Il y a eu un sentiment de oppressant, mais qui était complètement extérieur à moi. Ça n'avait rien de psychologique ou d'intérieur. C'était vraiment dans l'atmosphère. Et c'était tellement fort que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On essaye encore une fois de rationaliser. Et puis donc, quand j'ai pris conscience de ça, il y a eu une vision où j'étais debout. J'étais debout et il y avait... Alors ça ne se raconte pas, bon, je suis un peu gêné de le raconter en... Bon, racontez-le quand même, hein, pourquoi? Bah parce que c'est fait partie du domaine mystique, quelque part. Il faut nous raconter ce qui vous est arrivé, c'est quand même alors un vrai appel de Dieu. Quoi. Je le fais pour que, pour peut-être faire passer un message. Pour que des gens qui peut-être ressentent des choses comparables puissent... Oui, et puis il y a une espérance derrière, enfin, vous allez voir. Donc j'étais debout, et j'étais à mes pieds devant, il y avait un cercueil, ça n'avait rien de macabre, hein, ça indiquait simplement la mort, donc la vie après la mort, quelque part. Et puis la scène était éclairée par une lumière intense, assez loin, au bout d'un tunnel. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille vers la lumière. Il faut, si je veux sortir de ça, il faut que j'aille à la lumière. Et alors là, ça a été... Vous avez été vers la lumière? Oui, bah c'est du domaine du postulat. Oui, bien sûr. Hein, c'est plus... Non, c'est pas un déplacement physique. Évidemment, quoi, non. Donc vous êtes laissé happer par cette lumière. Non, dès que j'ai émis cette pensée... Oui. Ça a été un... Il n'y a plus de mots. Là, franchement, il n'y a plus de mots. C'est un éblouissement, c'est... Alors, c'est, en effet, c'est-à-dire que c'est très lumineux. C'est très lumineux, c'est surtout, je pense, avec le recul, parce que c'est impossible d'analyser sur la... Non, mais sinon, racontez juste les souvenirs que vous en avez. C'est, je pense, avoir fait un peu l'expérience de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, vous êtes écouté Alors, ensuite, non. Alors, il y a eu deux choses. C'est-à-dire que dans cette espèce d'état de béatitude, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de terme. Hein, oui, donc, béatitude, prenez des mots simples. Il y a eu... évidemment, je ne voulais pas le quitter. Ça, c'est clair que redescendre sur bien, Terre, c'était... Ah oui, non, mais c'était... C'était au paradis, un peu, en quelque sorte. Je pense que s'il y a de ça. Oui, il y a de ça. Il y a ça, cette espèce d'union, de fusion, pas de fusion, c'est un mauvais terme. Alors la descente, le retour sur Terre. Alors justement, j'ai refusé, donc je me souviens d'avoir pleuré, je me souviens d'avoir refusé de revenir, et d'une certaine façon, on m'a dit, alors c'est pas évidemment avec des mots, mais j'ai ressenti cette pensée de dire que j'avais encore un temps à faire sur Terre, et donc voilà, c'était, bon, quelque part, c'était comme ça. Ça c'est votre appel de Dieu, votre... Alors non, ensuite, alors, bon, ça termine. En tout cas, ça en est de la cristallisation au point de départ. Oui, mais c'est important, c'est pour ma vie monastique plus tard, parce que là, ça n'explique rien. Non. Donc,
ça s'est terminé comme ça. Il y a eu une deuxième vision, en fait, avec une femme et trois enfants éclairés à contre-jour. Donc, je ne voyais pas le visage, je voyais les cheveux longs. Trois enfants à ses pieds. Et de l'autre côté, mon père spirituel, que je ne voyais plus depuis trois ans, parce qu'il était déjà père abbé du monastère où je suis. Alors, j'ai cru, voilà, c'est ça, évidemment. J'ai cru que c'était l'un et l'autre. Ça m'arrangeait tout à fait, puisque j'allais me marier, avoir trois enfants, et puis continuer ma vie spirituelle avec mon père spirituel. C'était parfait. On renouait le contact, etc. Et non, c'était l'un ou l'autre. Tout, et voilà. C'est ça la délicatesse de Dieu est vraiment extraordinaire parce que tout doucement, ça c'est. J'ai refusé complètement, venant d'où j'étais et puis allant vers ce qui m'était proposé, c'était impossible. Alors d'abord, j'ai refusé le religieux parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être moine, évidemment. Il y a le côté religieux dans le monde. Hein. Donc c'était déjà ça impensable. Et puis tout doucement, en fait, si vous voulez, ce qui m'animait... Tout doucement, vous avez refusé la femme et les trois enfants. Oui, mais c'était pour faire partager ce que j'avais reçu. Et surtout, quand je vous disais que mes valeurs avaient évolué, c'est-à-dire que je ne vivais plus pour moi. Je vivais un peu dans l'oubli de soi, c'est-à-dire c'est ça la vie monastique. La vie monastique, c'est parce qu'on aime tellement les autres qu'on devient moine. Je crois qu'il y a une espèce de surtout pas de sacrifice dans ce mauvais sens, on pourrait l'interpréter, mais disons de kénose. La kénose, c'est cette espèce d'oubli de soi-même pour, par la prière, devenir un buisson ardent et devenir un petit peu ces colonnes de feu qui portent le monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le monde tient par quelques grands spirituels qu'on ne connaît sans doute pas. Je ne me leurre pas, mais enfin, chacun ses croyances, chacun son choix. Absolument, c'est ça, choix quand même. Tout à fait. Hein. Regardez, c'est votre vie donc, en 15 ans. En fait, 5 mois seulement après cette révélation nocturne, vous avez laissé tomber votre boulot, vos soirées festives, votre bel appartement parisien, votre vie de jeune célibataire prometteur pour vous retrouver dans une simple cellule dans le monastère de Saint-Michel-du-Var que vous n'avez jamais quitté depuis, Père Basile. C'est un reportage de Jean-Marc Borde et de Jean-René Chaperon. Vous savez, la voix qui, dès que ça arrive dans le grave, on a envie de soutenir et de soutenir toute la mélodie et tout le cœur, mais il faut au contraire s'effacer. Ça correspond même à votre tempérament dans la communauté. Il faut soutenir quand il y a besoin, mais par moment, il faut s'effacer. Ouais, c'est la même chose. Bon, pas de commentaire, Laurent. Il n'aime pas quand c'est les femmes qui font des commentaires. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 2 ans que je l'ai fait travailler. Et au début, je me disais, je vais arriver, oh là là, dans un monde d'hommes aussi, puis un petit bout de femme comme ça qui va faire le chef. C'est pas évident, je savais pas comment ça allait se passer. J'avais très peur, je dois dire, au début. Et puis, en fait, je m'aperçois que c'est comme un groupe d'enfants. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Ils sont tous des grands enfants, quoi. Et le travail se passe très, très bien. Ce qui est surprenant, c'est de trouver des femmes dans ce monastère. En fait, c'est dans la tradition ancienne, les premières communautés étaient mixtes. Nous, on chante en polyphonie. Les femmes sont tout à fait importantes, ne serait-ce que pour ça, parce qu'il y a d'autres, il y a tout le côté douceur que peut apporter une ambiance, une présence féminine dans un monastère, etc. Donc, évidemment, elles ont leur cloître, leur lieu de vie, mais les offices sont communs et ça permet certains travaux en commun, etc. C'est une grande richesse, une grande complémentarité. C'est très dommage qu'en Occident, c'est une tradition qui soit perdue. Vous êtes à l'aise, vous, au milieu de cette communauté plutôt masculine, quand même, dans l'ensemble? Oui, parce que je connais déjà depuis quelques années, donc ça ne me pose aucun problème. Vous êtes intégrée facilement? Doucement, oui. Il y a encore du travail à faire, mais... Oui, ça se passe bien, oui. Depuis 17 ans maintenant, Père Basile vit avec ses frères et ses sœurs dans ce monastère orthodoxe du Var, un monastère moderne équipé d'internet et d'ordinateurs dernier cri qui n'ont pas de secret pour cet ancien publicitaire. Alors là, j'essaie de trouver une image ou un visuel pour la dernière couverture du petit bulletin que nous faisons au monastère. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Un visuel, là. Vous êtes toujours dans le langage publicitaire, non? Ah, oui, vous croyez? Oui, peut-être, mais un peu. Oui, une image, oui, ouais, tout à fait. Une icône, on pourrait dire, dans un langage plus orthodoxe, peut-être. Vous vous souvenez des slogans que vous
rédigiez à l'époque Moi, j'étais un petit publicitaire. Hein. J'étais pas un senior. Hein. J'étais un jeune. Les slogans, je me souviens pas tellement. Je sais que j'avais fait une petite page pour un. Je crois que c'était une éponge. C'est une éponge qui gratte d'un côté et qui n'est pas de l'autre. Et j'avais, je crois que c'était héros de science-fiction. Enfin bon, voilà, un jeu de mots d'un junior. Faire rimer science-fiction avec science-friction n'amuse plus du tout le père Basile, même s'il a gardé quelques souvenirs de cette époque où les jeux de mots publicitaires assuraient sa subsistance. C'est pas ça. Ça, c'était mon appartement à Paris. Ça, c'était ma voiture de collection. À l'époque, j'avais... Bon, je l'avais acheté une bouchée de pain, et puis vous savez, on les retape au fur et à mesure, etc. Votre vie à l'époque, donc manifestement, c'était le sport. Oui, tout à fait. C'était le sport, une vie assez facile, c'est clair. Et puis des amis eux. Bon, voilà, ce qu'on peut vivre quand on a 27 ans, un peu une vie aisée. Et puis à Paris, avec un accès à tous les milieux, etc. Ça peut pas durer très longtemps, ce genre de vie. Ça. Sinon, c'est vraiment du temps perdu. Si le père Basile était publicitaire, père Martin, lui, a été vétérinaire pendant 10 ans avant de rejoindre le monastère, un changement de vie radical qui, pour l'un comme pour l'autre, a été dicté un jour par une véritable révélation. Je sais que c'était à peu près dans les environs de 16 heures. J'étais à mi-pente et je m'étais promené tout seul dans une montagne là, en Chartreuse. Ce qui s'est passé à ce moment-là, je peux que vous le déposer, je n'ai pas d'explication rationnelle. Ce qui s'est passé, ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, tout mon espace intérieur s'est transformé et que j'avais plus une montagne en face, mais j'avais un lac. Et c'était en noir et blanc, je m'en souviens très très bien. C'était une image en noir et blanc, comme un film qui était là. Et je savais à ce moment-là, je vous le dis maintenant, mais que c'était le lac de Tibériade. J'y suis jamais allé, je sais pas. Bon, mais il y avait derrière le mot Tibériade, il y avait le lac de Tibériade. Et puis à ma gauche, alors ça c'est quelque chose qui était incroyable, c'est que j'ai vu, je peux dire, resplendissant la main et le bras du Christ comme ça en fait, qui était là. Il était là. D'un seul coup, tout était apaisé dans ma vie. Toutes mes soifs, toute ma quête, toute cette soif de... Tous ces chemins prenaient un sens à ce moment-là. Ça ressemble à ce que vous avez vécu ? Il y a des points communs. Il y a des points communs, des choses... D'abord, ce côté très soudain est complètement aux antipodes de ce qu'on est avant et après. Et puis, cet apaisement, cette espèce de... De nourriture, d'intensité qui se manifeste à ce moment-là, de la présence, justement. Oh oui, il y a beaucoup de points communs. Mais je ne connaissais pas. Je suis très content d'apprendre. c'est vrai. Mais oui. Non, c'est des choses tellement... C'est difficile parce que... C'est difficile parce que c'est vraiment tellement... Ça ne se raconte pas, ça. Ça se vit, mais c'est très difficile à raconter. La vie en communauté n'exclut pas la solitude et le recueillement. Autour du cloître, chaque moine a une cellule de quelques mètres carrés qui est son seul espace d'intimité. Vous passez beaucoup de temps dans votre cellule ? En fait, pas assez. Parce que c'est vrai que le travail, il y a beaucoup de travaux quand même dans un master, on n'est pas très nombreux. Et donc le soir, après une dernière séance de travail, donc... je viens prier, puis le matin, bien sûr. Vous avez aussi de quoi écouter de la musique ? Oui, c'est vrai. Et aussi pour étudier l'anglais. En ce moment, j'étudie plutôt l'anglais. Je me force un peu parce que je ne suis pas très doué, mais je me forme l'oreille avec des CD. Oui. Le monastère est en effet largement ouvert aux visiteurs du monde entier. Certains viennent pour s'y recueillir, d'autres viennent simplement en touristes, attirés par la beauté et le calme des lieux. Est-ce qu'on peut visiter un peu l'église ? Oui ? Tout à fait. Donnez 3 points. Vous allez au portail au bouton de gauche. Oui. Et puis quelqu'un va venir à... nous ouvrir. Pas visiter. Hein. On était venus il y a 2 ans à Pâques.
Il y avait une petite réunion avec plusieurs personnes où tout le monde racontait ses petits malheurs. Et puis on avait trouvé ça sympathique. Après, alors... après la... C'était le dimanche matin ou le samedi soir, vous savez pas? C'était pour les agapes, non? C'était l'après-midi, je crois. L'après-midi? Non. Ah, le partage. Puis on était une cinquantaine. On était serrés, hein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, ouais. Oui. Oui, alors ça, c'est le partage du dimanche après-midi. Oui. Tout à fait. C'est important pour vous d'être ouvert à des gens comme ça qui, manifestement, ne sont pas portés sur la foi, la religion, la spiritualité? Bien sûr. Pourquoi? Ça vous apporte quoi? Ça nous apporte simplement un échange avec justement le monde. Cette dame l'a très bien dit, c'est une façon pour elle de s'intéresser, de découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas, etc. Et puis qui sait? L'Esprit Saint souffle où il veut. Vous pensez rester ici jusqu'à la fin de vos jours? Ah oui. Oui, un moine fait vœu de non seulement d'obéissance, comme on en a parlé, et puis de chasteté, stabilité, chasteté, pauvreté, mais aussi stabilité. C'est-à-dire qu'on est moine pour un lieu. On finit ses jours à l'endroit où on a pris de l'habit. On est mis donc déposé en pleine terre, et puis au bout d'un certain temps, une fois que la nature a fait son œuvre, certains ossements sont récupérés, nettoyés par le plus jeune des moines, et puis en grande procession, le jour de la résurrection, sont déposés donc dans l'ossuaire du monastère. Mais si vous voulez, je peux vous montrer la crypte. Hein, on n'a pas visité encore. D'accord. Passe devant. La crypte a en fait deux fonctions. La première, c'est un lieu de méditation. La deuxième fonction, c'est cette ossuaire qui est derrière nous et qui est destinée à recevoir les derniers ossements des frères et des sœurs dans une dernière demeure, quelque part, symbolique, puisque là, on est au cœur du monastère. Alors, les ossements de ce frère, ce sont ceux du frère Abraham, que j'ai connu, qui était un des plus anciens, qui est venu au monastère, il était déjà assez âgé. Et donc, un jour, je serai ici. Ça peut être tout drôle, quand même, hein, de voir oui. Ça, non? Mais justement, c'est bien. Vous, non, oui. Je crois que c'est important de rappeler que la mort n'est qu'un passage et que c'est pas tabou, la mort. Oui. Je crois que c'est un peu le drame de l'Occident, c'est d'en faire un tabou et surtout de l'oublier. Non, mais pas ça sert d'en garder une représentation physique. C'est symbolique, c'est simplement. Oui. D'abord, c'est au cœur du monastère, comme je dis, et puis c'est un petit peu. On sera tous réunis là-haut. Chez les Chartreux, les corps sont enterrés au milieu du cloître. Il n'y a pas de tombe, il y a juste une croix en bois et tous les pères Chartreux sont là. Et on dit qu'un certain nombre sont conservés. Mais donc on ne va pas chercher, nous, conservés de quelle manière ? Les os. Bien comme certains saints, vous savez, qui n'ont jamais été décomposés. Emboumés, quoi. Oui. En quelque sorte, oui. Votre monastère a donc la particularité d'être mixte. Comment vous vivez votre... C'est pas mixte. Bon, il y a des femmes, quoi. Il y a deux sœurs. Oui, mais il y a deux sœurs. Alors forcément, on ne va pas leur construire un couvent. Mais c'est pas mixte dans la mesure où on ne vit pas Le fait qu'il y ait des femmes pas loin, etc., c'est pour la chasteté, c'est pas une nouvelle épreuve que le ciel vous envoie. Franchement, non. Non. Enfin, ça ne s'est pas posé jusqu'à présent, en tout cas. Décider qu'on n'a plus de désir suffit pour ne plus en avoir? Ah non. Ah non, pas du tout. Non, non. Alors, ce serait trop simple. C'est une énergie qui se réoriente. D'accord. Sinon, en effet, on peut arriver à des problèmes psychologiques. Vous avez mis par écrit votre expérience Non. Non. Non, non. Vous menez une vie de moine orthodoxe, mais qui est tournée vers le monde extérieur, avec beaucoup de contacts. Est-ce que vous pourriez vivre avec la rigueur cistercienne de sœur Béatrice? Je la comprends très bien. Je la comprends très bien, je crois que je pourrais. Je crois. J'aspire quelque part à ça. C'est-à-dire que j'aspire souvent. C'est pour ça que par contre, je suis un peu plus choqué avec le phénomène des Chartreux, finalement, qui ne se préparent pas à une vie hérémitique. On se prépare à la vie hérémitique par la vie cénobitique, c'est-à-dire par la vie en commun.
On se vous savez, on est des pierres brutes, là, pour rappeler quelque chose. On est vraiment des pierres brutes en rentrant dans une communauté. Et le but, c'est de devenir des galets, c'est-à-dire des pierres adoucies. Et à ce moment-là, on peut devenir ermite. C'est très dangereux d'être ermite. C'est une illusion. On tombe, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a plus le miroir de l'autre pour voir où on en est par rapport à son évolution propre. Et donc, on peut très, très bien, très facilement tomber dans l'illusion spirituelle qui est un écueil grave. Oui, et avoir après des graves problèmes d'équilibre psychologique. Absolument, quoi. Tout à fait. Oui. Sabineau l'avait très bien compris, parce qu'au début de sa règle, il le dit. Normalement, il envisage la vie hérémétique comme une étape qui peut venir pour certains. Voilà, oui, pour certains. Et après un temps de vie cénobitique. Oui, voilà. Et c'est un appel, ça fait partie des appels qu'on reçoit. D'accord, et sachant que le désir, vous l'avez dit, peut perdurer quand même, vous ressentez ça aussi, qu'il ne suffit pas de décider de ne plus avoir de désir pour ne plus en avoir? Exactement, oui. Ah ouais. Il vous arrive d'en avoir aussi, d'avoir à lutter contre? Oui. Et vous, ma sœur? On reste des humains. Ah oui, d'accord. On est pleinement femme tout en entrant dans le monastère. Mais on est que sur le désir, parce qu'il y a les vœux, il y a le désir. Quoi. Non, effectivement, oui, ça n'enlève rien. Enfin, je suis une femme et je suis sensible comme n'importe quelle femme. Mais comment vous gérez ça, alors? Quand vous avez des bouffées de désir, ah ben non, c'est pas un choix, il s'agit de pulsions. Je vais pas remettre en cause tous les quatre matins un choix de vie dans la durée. Sinon, on peut rien construire. Oui, ça me fait un peu pareil pour les civils finalement, je crois. Bah oui. Et pas des bêtes non plus. Exactement. Oui. Une femme mariée peut très bien aussi aimer beaucoup son mari et avoir d'autres désirs. Pourtant, elle a construit quelque chose avec son mari, sa famille. Et voilà. Elle essaye de s'attacher à le, ben, oui, à le respecter. Si elle pense que c'est vraiment là son bonheur. Et que je veux dire. Albert Jacquard, si vous voulez bien nous rejoindre pour la conclusion, s'il vous plaît. Merci, mesdames, messieurs, d'encourager Albert. Bonjour, monsieur Jacquard. Vous allez bien? Je vous en prie, asseyez-vous. Dieu, pour l'interrogation, on aurait pu appeler cette émission comme ça, c'est le titre du dernier ouvrage d'Albert Jacquard. Qu'est-ce que vous garderez de cette émission, Albert? Vous avez pris des notes? Vous pouvez les utiliser. J'ai pris des notes. Oui. J'en garde le souvenir d'avoir été tout au long très aussi gêné qu'un sauvage à qui on ferait tout d'un coup découvrir la chapelle Sixtine. Il veut bien croire que c'est beau, mais il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien parce que c'est pas son monde. Mon monde, c'est la tentative qu'apporte la science de comprendre le cosmos. Je suis dans un monde qui est extraordinaire, j'essaie de le comprendre, et il y a un chemin, c'est le chemin de la science. Alors on sait que ce chemin n'aboutira jamais, jamais jusqu'au bout. Il y aura toujours des particules encore plus petites, des galaxies encore plus grandes, mais c'est pour moi la seule façon de répondre à la question, mais qu'est-ce que je fais là au milieu? Albert Jacquard au milieu de tout ce cosmos, qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'essaie de répondre. Et puis, bien sûr, je sais que je n'aurai pas de réponse totale. Et puis, il y a des grands mots que j'entends, que je viens d'entendre à nouveau, et qui me font peur. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot foi, le mot Dieu. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, on a beaucoup parlé de Dieu. Et quelquefois, on a parlé du Christ. C'est quand même pas la même chose. C'est pas le même mot, c'est pas le même concept. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'était Dieu, j'ai lu une phrase de saint Augustin qui ose se poser la question, mais quand je dis à Dieu je t'aime, à qui je m'adresse? C'est saint Augustin qui le dit. Et il répond, je ne m'adresse pas à ceci, à cela, je m'adresse à la lumière intérieure qui est en moi. Alors si Dieu est la lumière intérieure qui est en moi, il n'est plus quelqu'un que je vais prier. J'ai été choqué tout à l'heure, un peu scandalisé par une phrase qui a été mise derrière nous, qui disait « Dieu est content qu'on lui demande tout, ou qu'on lui donne tout ». Mais c'est un blasphème. Oui. Dieu n'est pas content parce que je lui fais des cadeaux. Dieu, c'est plus que ça, quand même. Donc, je suis presque en permanence devant des blasphèmes chaque fois qu'on parle de Dieu. Priez pour que. Mais est-ce que c'est pas aussi un blasphème? Prier pour que Dieu, alors dire à Dieu, c'est toi le créateur, t'as pas tellement bien fait ton truc, il faut le changer un peu, ici ou là, ça va pas bien, je vais te demander de le changer. C'est un blasphème. Alors, effectivement, il y a l'attitude de silence. Là encore, il y a une phrase qui était au tableau et qui m'a un peu fait mal quand on dit que c'est dans le silence qu'on peut rencontrer Dieu. Ah,
J'avais l'air de dire moi, j'aimerais encore, le rencontrer quand je rencontre quelqu'un d'autre. Mmh. C'est quand je rencontre un regard que peut-être qu'il y a un troisième qui est présent. C'est ce que dit d'ailleurs l'Évangile. Lorsque vous serez réunis, je serai parmi vous. C'est quand on est en face de l'autre et qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Je le comprends, il est sincère. Je ne crois pas tout ce qu'il me dit. Ça n'a pas important. Ce qui est important, c'est que je sache qu'il est en face de moi. Et quel regard vous portez sur la vie de ces hommes et de ces femmes ? Il y a je. Quel regard vous portez sur la vie de ces hommes et de ces femmes ? Quel regard vous portez sur leur vie ? J'ai été marqué par leur sincérité. C'était extraordinaire. Vous leur avez posé des questions que je n'aurais jamais posées à personne. Blasphème. Et ils ont répondu. Elle a répondu. Elle a répondu. Ils ont tous répondu. Et je crois qu'ils n'ont rien caché. C'était vrai. Mais quand on arrive à ce niveau de sincérité, est-ce qu'on a besoin de se référer à Dieu ? Alors le Christ, c'est tout autre chose. L'aventure de ce bouquin, c'est l'aventure de quelqu'un qui a essayé de se répéter le credo catholique, catholique romain. Et j'ai pas aimé, c'est moche ce qu'il y a là-dedans. Et puis, poussé par le credo, j'ai été jusqu'au sermon sur la montagne. Et là, c'est tout à fait différent. C'est d'ailleurs d'un autre style. C'est une leçon de bonheur. Et du coup, je dis, mais au fond, croire, est-ce que c'est tellement un acte humain ? J'ai pas à croire, j'ai à douter. Mais par contre, j'ai à vivre. Et vivre, c'est dans le sermon sur la montagne que je peux trouver des façons de faire. Et alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'appel. J'ai évoqué, en vous écoutant, le passage de Claudel qui dit qu'un jour, un soir de Noël, derrière tel pilier à Notre-Dame, il est devenu chrétien d'un seul coup, comme ça. Et puis, chacun d'entre vous a parlé d'un appel. Mais peu ont parlé d'un objectif de vie. Est-ce que l'important, c'est de répondre à un appel qui peut-être est une illusion, ou bien de se donner un objectif de vie, en sachant qu'elle aura une fin, et de se dire, oui, est-ce que ça suffira à la fin de se dire, l'appel, j'y ai répondu, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pouvoir dire, il y avait des choses que je pouvais faire dans cet univers mal fichu par les hommes, j'ai essayé de l'améliorer un peu, même si ce n'était pas un appel. J'ai été surpris du poids qu'on donnait à cet appel que vous avez tous éprouvé, que je n'ai pas éprouvé. Quoi que quelqu'un a dit, mais on a tous un appel, mais on n'y répond pas. Je ne sais pas. Merci Albert Jacquard d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir fait découvrir votre vie. Bonsoir et si vous souhaitez, mercredi prochain. Merci beaucoup. Vous avez choisi de privilégier votre carrière à votre vie de femme et de mère. Vous l'assumez ou vous le regrettez. Vous avez abandonné votre travail pour élever vos enfants. Vous avez des horaires décalés et votre vie de famille en pâtit. Vous êtes enceinte de plus de 7 mois et vous continuez à travailler. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.